Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, nous sommes le 1er avril, voilà, bisous, au revoir, le mec qui se barre. Non, 1er avril c'est un jour de crotte, non je vous le dis tout de suite parce que tout le monde fait des blagues, vu à 4 km, tous les sites ne peuvent pas s'empêcher de faire de la blagounette et on y reviendra, bienvenue à vous. Vous êtes sur jeuxvideo.com et plus particulièrement Gaming Live, sa web TV, je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Oui mesdames et messieurs, 15h avec un programme un peu chargé aujourd'hui, puisque dans un premier temps nous serons sur Empire Good Game, la suite, rappelez-vous nous avions débuté une game avec... Oro et Musa, et nous allons voir avec, quand on est level 30, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut construire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut attaquer, on va voir ça d'ici quelques instants, et par la suite nous continuerons le Infinity Evolve avec aujourd'hui pour l'objectif draconique évolution, l'augmentation pour aller faire le Big Boss, hein, le Big Boss qui touchote en deux fois. Two-shot, vous voyez, oui, j'ai un anglais quasi parfait. Bon, sinon, programme aujourd'hui à 15h, vous retrouverez Ken Bogard et les Pas Shiny, 19h, le FIFA Show, by Brag, Joe Space, Paul, le Prof, 21h, le Guacassable, by Monsieur Karaté, oui, c'est le programme de votre TV1, je vous rappelle que vous avez d'autres TV juste devant, juste au-dessus, la Power Play, la Retro 1D, la Dota 2, la Pokémon TV, mais aussi tout le streaming Click TV, hein, le www.netclicktv.fr, que planning, vous voyez l'intégralité du planning. C'est bien, en fait, dans le principe du planning, d'avoir le planning. Bon, vous avez un chat? Oui, bonjour le chat. Oui, je sais pas ce qui se passe. J'ai la houppette de Tintin. Cherchez pas, faut que j'aille chez le coiffeur. Je carrément la houppette. De face, ça va. De profil, on dirait Tabarly. On dirait son bateau. Bonjour sur le chat à Zornio, à Théo, à Seber, à Body, à Ness, à Ryuken, à Théo. J'ai Théo, je crois, parce qu'il parle beaucoup. Il met des cœurs, il met des petits cœurs de l'amour du 1er avril. Bonjour à Portagel, bonjour à Etinol, bonjour à Magnus, bonjour. Ben voilà, ben installez-vous confortablement. On est parti jusqu'à midi 30, midi 40, jusqu'à la pub. On sera sur Empire Good Game et par la suite, nous serons sur Minecraft. Voilà. Je vous remets le lien si vous voulez tester le jeu. Voilà, en même temps que nous, c'est un free-to-play. N'hésitez pas, c'est un peu le but. Free-to-play, plutôt sympathique. Voilà, je vais spammer le chat comme un gros cochon. Voilà, ça m'a fait plaisir. La bonne année à vous. Moi, je ne peux pas être puni par Mouboot. Hein, ce n'est pas possible. Mouboot ne me punit pas. Voilà, il part du principe que je suis son maître. Donc, Mouboot ne peut pas me punir plus que ça. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Alors, bonjour, Oro. Ah bah non, il est plus là. Ah le blanc, putain. Ah le blanc. J'étais là, je fais, ah, j'étais trop cool et tout. Salut Oro. Et puis il est pas là, alors... Tout va bien. Tout va bien, mesdames et messieurs. Il devrait arriver d'ici quelques instants. Il s'appelle Oro et c'est mon ami. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Plein écran. Oh là là, le con. Ah le con. Allez hop. On est bon, donc on est sur Empire Good Game. Je suis avec un compte qui m'était prêté par l'éditeur. Rappelez-vous, on avait débuté sur Empire Good Game avec un château, tout début level, tout tranquille. Le fail comme d'hab, mais ça ne change pas, c'est une marque de fabrique. Bonjour. Bah bonjour, oui. Oro. Salut Pupute. Oui, désolé, j'ai quelques petits problèmes à régler de la côté. Salut Alex. Et salut Poupoute. Oh, putain, je me suis senti bonjour. Tellement seul, ouais, t'imagines ouais, même Oliver, pas. Ah la solitude. Ah la solitude, j'ai eu un gros blanc. Merci pour ta blague du 1er avril, on y reviendra tout à l'heure. Quelles sont les meilleures blagues du 1er avril hein, vous nous direz hein, ce que vous avez trouvé sur le net. Nous, on vous dira ce qu'on a vu et où on n'a pas rigolé. Moi, j'en ai marre le 1er avril. Cette journée, j'ai envie de couper Twitter, Facebook et tout. Font tous des blagues grosses comme une maison. Comme un camion, enfin bref. Bon, rappelez-vous, mon cher Oro, nous avions commencé un village dans Empire Good Game, village qui est monté petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et là, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur du level 30. Vous voyez que ça a bien moi, évolué. Non, pas pour vous, pour moi. Alors, pour information, ce n'est pas moi qui ai farmé, en toute franchise avec vous, puisque c'est Empire Good Game qui me demande de vous présenter ce jeu. Moi, je ne vous le cache pas. Mais le jeu demeurant sympathique, j'y ai joué quand même quelques heures. Or, j'ai pas encore tout compris parce qu'en fait, quand tu passes d'un level qu'on avait nous, level 0, là, qu'on a monté un petit peu au début, au level 30 qu'ils m'ont prêté, il y a des moments, il y a des mécaniques que tu n'as pas vues. Comme quoi, en fait, farmer le jeu et le travailler petit à petit est intéressant parce que ça te permet de voir les évolutions, de te rappeler comment tu fais les trucs. Alors que quand t'es projeté, tu vois, sur un level plus gros comme ça, si t'as pas fait tout depuis le début, des fois t'es là, tu paniques. Mais qu'est-ce que je fais ? Non, le Dieu ! Donc rappelez-vous ici, tout ça, c'est tout ce qui est les caches suspendues, etc. C'est pour faire plaisir à nos villageois, puisque l'intérêt, c'est quand même d'avoir un maximum de villageois, un maximum de villageois qui vont travailler, récolter des ressources, que ça soit de la ferme. Hein, vous voyez les fermes juste au-dessus, là-bas, avec les champs. Donc là, on a les moulins, Michel. Moulins, écuries, etc. De la pierre, du bois. Préparer ces fortifications. Alors, je vous rappelle, vous avez encore le fameux village où vous pouvez acheter pas mal de trucs, notamment l'armurier, vous voyez, compte des rubis. Donc ça, ça se paye avec de la monnaie sonore et trébuchante, sachant que vous en gagnez dans le jeu, plus vous faites des quêtes, plus vous gagnez. Donc toute cette partie-là, c'est la zone. Alex donne des chiffres.
Mais des chiffres de quoi? 22. 22? 72? Donne un chiffre. 46? 128? 34. 58? Ils ont fait quoi pendant 30 minutes? Ils ont fait le loto. Et le tirage du loto. Y a pas de Minecraft ce midi? Si, on retournera sur Minecraft, les gars, à partir de midi 40 après la pub. Ne paniquez pas. Oh, on découvre un autre jeu. Fait plaisir de temps en temps. En plus, c'est un free to play. Donc, si t'as envie d'y jouer, on a mis le lien tout à l'heure. Que je remets maintenant parce que je suis un gros cochon. Vous avez la possibilité. Attends, quand je le mets en plein écran, j'arrive peu à récupérer mes fenêtres. Voilà, je récupère celle-là et je récupère celle-là. Putain, je suis doué du PC. Le chiffre, c'est entre 0 et 9. Après, c'est des nombres. Merci, Poire. Merci. Ah, bah oui. C'est une blague, c'est 1er avril, je ne sais plus qui croire. crois un prof de maths. Ah, ok, d'accord. Donc, rappelez-vous, nous avions vu un petit peu le journal des quêtes, notamment. J'ai un nouveau message, je vais le lire. La guerre des rois, la guerre pour la couronne de Périmont a de nouveau éclaté. Oh putain, Périmont, je l'ai bien connu, sa grand-mère, lui. Les prétendants au trône recherchent des soutiens à travers tout l'Empire, offrent des récompenses. Ok, c'est pas mal ça c'est bien. Débloquer la bataille de Périmont. Je peux la débloquer? Je vais aller voir ça. Donc, vous voyez qu'en fait. Il y a le Grand Empire qui est ici, la bataille de Berrymont qui est là, pas encore débloquée. Hop, entrée dans Berrymont, introduction, récompense. Peut-être que je prépare des armées en fait, dans l'idée. Donc ça c'est un event, la bataille de Berrymont. Je peux payer ça. Camp de vétéran ou camp de seigneur? Ah oui, camp de seigneur de guerre, 49 000... j'en ai 99 000, est-ce que je fais péter le... J'ai un compte un peu overcheaté. J'ai 99 000 rubis. Tu fais direct les trucs méga chers, quoi. Bah ouais, on va voir ça après la bataille de Berrymont. Tu sais quoi, on va voir la bataille de Berrymont avant, on va faire un petit point et on verra si justement ce qu'on peut faire sur ces batailles. Vous voyez que nous on est dans le Grand Empire, il y a les saves brûlantes à partir du niveau 40. Donc là on est en début d'HL, hein. On a atteint un village qui tient la route, qui est stable, tu vois. Glacier éternel débloqué, mais il faudra être niveau 40 pour aller dans les sables brûlants, 50 pour les pics de feu, et les îles orageuses c'est 35. Donc on y est presque aux îles orageuses et il y a la bataille de Berrymont, voilà. Comment je reviens? Tu dois avoir des nouvelles quêtes. Oh là là, j'ai tout pété. J'ai tout pété. Comment je reviens de là? Merde, je sais plus comment je reviens de la carte. Royaume, le petit château. Ah non, j'ai un coup pété. Vers le château. Merci, Michel. Donc, tâches du jour. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, on est dans les tâches du jour. Notamment, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? La loi et l'ordre. Vaincre le château d'un fiefé coquin de niveau 10 ou plus. Ok. Je vais déclinquer. Alors attends, il faut juste que je regarde où est-ce que j'ai mis ma caserne. Merci Michel. Non, je ne veux pas la réparer. Je veux pas les infos sur le bâtiment. Je veux recruter. Combien j'en ai? Alors, j'ai 30 piquiers, 35 archers, 45... non, c'est le prix ça. Merde, j'en ai pas. Non mais ouais, je trouvais ça bizarre, j'en ai autant. J'en ai pas lancé. Je trouvais ça chelou. Bref, t'en lances, tu fais finir un stand. Ouais, ça c'est pas un souci, 26 minutes. Je voulais juste voir mon armée, je ne sais plus où je vois mon armée. En bas, le truc avec les épées, je pense. Armée. Armée, recruter, produire, défense. Putain, c'est où que je vois mon armée déjà? Ça y est, je me suis déjà paumé. Moi je peux pas voir parce que j'ai pas. Ça brûle, il y a un truc qui brûle. Si tu cliques sur recruter, t'en mets combien t'en as, non? Faut que je répare les trucs qui brûlent. Non mais ça je sais, mais ça brûle pas, Michel. Où c'est ça brûle? Où c'est je brûle? Ah ici! Mon quartier général il brûle. Ben répare-toi! Bah Maurice! Bah là, oui! Bah qu'est-ce qui se passe? C'est qu'a foutu le feu, nom de Dieu! Terminé. Vas-y, je termine là. Allez, accélérer le temps. Ah non. Passer complètement. Ouais, vas-y. 104 rubis, voilà. C'est réparé. Quartier général il brûle plus. Si je brûle plus, monsieur, hein. Faut m'enlever ça, ça brûle plus. On s'est retiré le feu. J'ai tout éteint, j'ai inventé les pompiers. Les pompiers du Moyen-Âge. Pimpon, pimpon, pimpon. Tâche terminée. Ouais, je suis au courant. Ouais, montrez-moi. Montrez-moi. Mais non, pas montrez-moi. Je sais que je dois attaquer un mec level 10. Tu sais quoi, on va attaquer quelqu'un. On va déclarer une guerre. Direct. Niveau 56, un peu haut. Hein. Niveau 70, Tandax. 54. J'ai des voisins qui sont pas trop puissants, ça va. J'en avais vu un. Il est où le level 10? Tu peux attaquer les bots là, les fiefs coquins là, c'est les châteaux de base. Des... Roi conquérant. Ça c'est les griffons. Ah, les châteaux du fief et coquin. Niveau 1. Non, il me faut un niveau. Bah ouais, niveau 1. J'ai que des fiefs et coquins tout pour ave. Les ruines de l'archiduc. L'archiduchesse.
Est-elle sèche ou archi-sèche? Parce que si j'attaque un niveau 70, ça va peut-être pas le faire. Alors attends, je vais faire un truc. Je vais faire attaquer le fiefé coquin. Juste pour voir combien j'ai de origine, château du fiefé coquin, oui. Distance à 6-1, on est d'accord. Là-dessus, tout va bien. Aucun espionnage. Non mais je veux pas espionner, je veux savoir. Alors attends, je voudrais savoir où sont mes armées, Michel. Carte du royaume, non. Vivre dans un donjon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Équipement. Non, ok. Ouais, c'est toujours mes troupes. Construire, non plus. Merci. Armée. Mais armée, il me propose juste de recruter. Et si tu vas dans le recrutement, ça te dit combien t'en as déjà, non? Eh bien, à mon demeurant... On a peut-être pas, hein. Aperçu des unités. J'ai zéro unité, Michel. Bon, on va faire des unités, hein. C'est bien ça. Je n'avais pas de... J'ai des engins de siège. Ça, j'en ai à plus savoir quoi en foutre. J'ai des engins de défense, hein. J'ai des remparts améliorés d'ailleurs qui sont plutôt sympas en pierre comme ça. Ils sont vraiment stylés. Donc, toujours les petites tours et tout ça. Ouais. Si vous vous rappelez bien, c'est la forme de mon truc. Je l'ai pas fini. Parce qu'en fait, d'habitude, je suis les tutos. Et là, j'en ai plus des masses. Collecter les tasses. Là, t'as sauté des étapes en fait. Un peu. Mais non, ça, je m'en fous, laisse-moi tranquille. C'est un peu le problème de ce jeu, il est sympa, mais il y en a partout. En fait, j'ai l'impression, c'est pas que ce jeu. Ouais, cadeau, ok, donne-moi mon cadeau. J'ai l'impression que dans tous les jeux, de plus en plus, on t'en file partout. On t'en donne. T'en as partout sur l'écran. Tous les jeux, hein, mais c'est pas que celui-là, c'est tous les jeux en général qu'on fait. T'as l'impression qu'on te dégueule de l'information partout. Et c'est dommage parce que t'en as trop. Trop, c'est trop. Dommage que juste t'aies pas des menus, tu vas chercher ce que tu veux dans les menus. Alors je comprends bien que le jeu est free to play et que tu aies besoin de... La musique est vachement forte, hein. Je voudrais que tu te calmes la musique du jeu, voilà. Je te baisse encore parce que sinon je perds mes oreilles. Je comprends qu'il y ait ce besoin de lancer un free to play, donc c'est vrai qu'on va proposer des options payantes aux joueurs parce que bah, le jeu on fait pas gratuit, hein. Les mecs qui sont pas à un moment donné, c'est du business aussi, comme tout le monde, le jeu vidéo, hein, comme tout. Mais je trouve ça un peu dommage par contre qu'on ait pas. Les informations soient pas mieux stockées. Voilà. Roi des cales conquérant, gros level du nom. Ouais, moi, mais je veux pas l'attaquer, lui. Quoique, je peux peut-être l'espionner. Attends, on va quand même tenter un truc. C'est tous ces espions. Alors, tâche du jour, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Exprimez-vous. Écrivez un message dans le chat d'Alliance. Vas-y, Michel. Ouais, j'ai une alliance. Je vais mettre coucou. Ah, mais non, mais attends. Comment je peux pas. Pourquoi je peux pas écrire dans mon alliance? On est trois, je suis avec Isabelle. Coucou Isabelle, pourquoi je veux pas? Mais qu'est-ce qui c'est qu'aujourd'hui? On n'est pas jeudi. Mais on n'est pas jeudi. On est le 1er avril par contre. Ah là, ouais. Là, oui, par contre... je sais pas si c'est pas pire. Pourquoi je peux pas? Je suis interdit d'écrire. Oh, vous ne pouvez rien dans le mode plein écran. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, Michel, si je suis en plein écran, le jeu marche pas. Là par contre... Ah, tu peux pas écrire en plein écran? Bah c'est bizarre. Mais non, je vais pas le faire maintenant. Non, après, plus tard. Plus tard, monsieur le roi, je suis désolé. Voilà, et on va reprendre mes objectifs en cours. Montrez-moi, voilà, coucou. Voilà, j'écris. Coucou, voilà. Comme ça, je récupère ma quête et je repasse en plein écran parce que c'est plus agréable en plein écran. Ça, c'est dommage. Mais c'est dommage. Ouais, c'est un peu... Ok, terminé. Vous voyez, il y a plein de tâches du jour. Donc, encaisser au moins 540 pièces grâce aux taxes. Vas-y. Tu peux déjà collecter taxes. Écotax, bonjour. Mais non, je veux pas cesser de collecter mes taxes. T'en restant une heure. Il faut voilà. Laisser passer ouais, le ouais. Temps. Il va laisser, il va collecter. Alors, les objectifs en cours. Regardons les objectifs en cours, où j'en suis dans mes objectifs. Donc, on a le Grand Empire, qui est le début. Puis, on a le Glacier Éternel, vous avez aussi des objectifs. Donc, ça, c'est plutôt bien foutu, sous forme de livre. Rappelez-vous, ce livre, on l'a fait dans le tuto. Il nous apprenait comment jouer. Une fois qu'on a fini, vous avez une histoire, en fait, et des quêtes qui se rapportent à l'histoire du jeu, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Vous voyez, avec plein d'explications sur les chapitres, etc. Là, vous tuez un dragon, là, faut choper des cakes, la demoiselle en détresse, voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Et une fois que vous avez fini ça, après, vous pouvez passer sur côté glacier éternel où vous avez aussi des quêtes. Voilà. Et ça, c'est plutôt sympa parce que ça vous permet, en fait, de la gestion. Donc là, on me propose l'appel à l'aide. Entrez dans la carte d'événement. Vas-y, viens, j'y vais. Récompense. Utilisez des ressources. Putain, tu me coûtes cher. Avant de pouvoir partir, vous devez avoir assez de matériel pour l'expédition. Mais j'en ai tout ça. Pourquoi tu veux pas me le mettre? 10 000 bois, 10 000 utiliser les ressources. Faut que tu fasses remplir. Bah ouais, je veux remplir. Vas-y, viens, on remplit. Ah, Michel, j'ai demandé de remplir. Ah oui, 10 000, ok. Donc, bah 10 000, je vais te mettre 10 000, en fait, dans l'idée. 10 000, je vais te mettre 10 000 pierres. 5 000 pains.
Putain, les mecs, ils vont bien manger. Et 5000 de thunes. Mais vous êtes des fous. Bien, s'il y a des péages, tu vas payer sur la route. Bah ouais, voyager, expédier les ressources. Je vais voyager. Allez, on y va. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Nous y voilà enfin, mais c'est ma partie, ou plutôt ce qu'il en reste. Nous avons du pain sur la planche. Ouais, du pain, je t'en ai donné 5000, alors t'es gentil, tu m'en redonnes pas. Il en reste. Tour, cliquez pour attaquer. Faut aller où? Faut aller où? T'as fait tes troupes là, t'as lancé ta classe. Ouais, je sais pas, je suis parti dans un endroit mystérieux au demeurant là. Oh nom de Dieu, à la fin c'est le château du nécromancien. Ok. T'inquiète pas, Michel, j'arrive. Le chemin est long et peuplé de bonnes intentions. Ça c'est mon camp. Ok. Ah mais lol, ça veut dire que je peux recréer un camp. Ah mais le truc de ouf. Donc là en fait faut que je recrée. T'as route à faire, hein. Ouais mais tu c'est bon. Jusqu'au château du nécromancien là. Ouais. Oh lol, y a du monde sur la route. Alors hein. Construire. Construire, et là en fait on va faire des petites tentes, des grandes tentes, des entrepôts à provisions, des camps de chasseurs, tu vois, engins de levage, tu et il va falloir une maison, ou bah ouais tu vas voir, c'est juste un camp militaire, objet décoratif, c'est un camp hein. C'est un camp militaire en fait, et il t'explique tout, procure de la place pour plus de soldats dans votre camp, mais ils font baisser le moral, tu vois, le moral des troupes, ouais, mais après, ouais. Tu leur mets une taverne. Je vais leur mettre des petites tentes là. Ah ouais, là c'est en rubis, merde. Ah bah ça y est, c'est placé. Allez hop, en rubis, Michel, construction immédiate. Ça va t'en assurer. Oh là là, oh là 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 là, oh là là. Mec, c'est fait pas gaffe, il clique. Eh non, je clique comme un gros. Entrepôt à provision, augmente l'enseignement comme c'est le stockage des ressources. Ça, j'en veux, il m'en faut un. Voilà. Ouais, une heure vraiment. Tu te fous de moi? Allez hop, instant. Moi, je veux les tabasser là. Camp du chasseur. Mec, c'est du fight. Là, je veux du chasseur. Attends, avant, qu'est-ce qu'il dit, camp du chasseur? Réduit la consommation de nourriture. Torturé, c'est mieux, level 70, ça dit. Tu dois taper tous les châteaux avant de taper le boss. Ouais, ouais, t'inquiète. On va essayer de construire un truc. Des blocs d'emplacement dans ce château. Ouais, ouais, engin de levage, vas-y, Michel. Il faut y aller progressivement, je pense. Ouais, j'y vais progressivement, là, je viens de construire 4 trucs d'une heure, tout va bien. Le nombre de maximum de bâtiments est atteint. Tu fous de moi ou quoi? Tu te fous de moi ou quoi? C'est une limite dans ton. J'ai combien de soldats là? Niveau 1. Ah, je peux l'augmenter, améliorer. Ouais, 1500, tu commences à me coûter cher. Comment je crée mes soldats là-dedans par contre? Donc en fait tu commences, tu peux étendre. D'accord, c'est un deuxième château en fait. C'est une quête de deuxième château. Ce qui est plutôt sympa, ouais, je pense que tu peux construire aperçu du camp. Voilà, donc ça vous dit où on en est en termes de provisions, etc. Donc là en fait il va falloir aperçu du voyage. Ah mais je suis pas arrivé encore. Je commence à construire un truc où je suis pas arrivé en fait. Eh oui, c'est pour ça. Je suis toujours en voyage. Sur la route. Eh ouais, sur la route, oui. Retourner au Grand Empire. Donc là, je peux retourner au Grand Empire. On a construit ça. Il faut leur attendre que le reste arrive. Et quand le reste va arriver, on pourra y aller. Nouveau message. Oui, oui, roi Rudolf, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes bien enfin arrivés. Tu viens de partir, il était pas là, il est arrivé. Ah bah ça y est, j'ai construit une petite tente. Mais si je l'ai fait, ah, tu veux encore une petite tente? Vas-y, roi Rudolf, je construis les tentes, je t'écoute. J'ai plus rien, il vous manque. Vas-y, utilise des rubis, Michel. Allez, vas-y, on s'en fout. Vas-y, Michel, le roi Rudolf, ouais, il compte pas son pognon. Quelques ressources de base. Ouais, mais après. Donc, ça y est, j'ai fait l'attente, roi Rudolf. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors, morale, posséder des objets décoratifs. T'es sérieux, Rudolf? Oh, le reine du Père Noël, là. Vas-y, on met une bannière, c'est bien une bannière. La bannière! Donc à chaque fois ça prend 30 minutes, hein, donc le jeu est un peu plus long. L'idée en fait d'un jeu comme ça, c'est que vous y allez jouer une heure par jour, deux heures, vous allez revenir trois fois par jeu, etc. Trois fois par jeu, trois fois par jour. Donc c'est vraiment l'intérêt, il est là. Hein. Donc on a notre bannière. Ouais, de temps en temps, tu fais tes... Et là on suit Rudolf. Qu'est-ce qu'il dit le reine du Père Noël? Posséder une unité d'attaque. Ok, je veux bien. Expédier des troupes. Oh putain, ouais, bah tiens, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, porteur, je vous envoie les trois. À mon avis, ouais, tu peux renvoyer des... Ouais, c'est ça. Château principal, je vais envoyer une tour de siège parce que c'est OP. Hop, et là je fais OK. Posséder une unité. Ah, 10, putain, 10, t'en veux 10? Non, mais t'es pas sérieux, Maurice, hein? Alors attends, je retourne au château, créer des troupes. Alors, caserne. De toute façon, il t'en faudra pour attaquer. Ouais, ouais, ouais. Si on a le temps d'attaquer, hein, je suis pas sûr. Mais. piquier. Qu'est-ce que je vais bien mettre? Des chevaliers teutons. 17 minutes par chevalier teuton. Tu vois, par rapport à là où c'est 34 secondes, quoi. Des petits piquets. Bah, je vais quand même faire 5 piquets. En fait, faire 5 piquets. J'en ai encore 2.
louer un emplacement supplémentaire de 7 jours. Ouais, c'est ça qui est malin en fait. C'est-à-dire que là, tu peux créer tes unités par 2. Mais après, si t'en veux en lancer plus pour la nuit, par exemple, en disant que tu voulais 3 types différents, ou que t'as tel type d'attaque à faire, ça c'est plus puissant, etc. Et bah, dans ce cas-là, tu loues en rubis, et dans ce cas-là, voilà. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette! Salut Alex, vas-tu jouer à Minecraft après? Oui! Oh là, et 1er avril, vous êtes chaud, vous. Vous êtes chaud. Chaud, cacao. Faire des archers, quand même. Faire des archers basiques. Allez-y, les petits gars. Doubler le nombre de soldats pour 80 rubis. Mais bien sûr, Maurice. Allez, vas-y, on double. Oh, j'ai tout doublé. Ça me fait 40 soldats en payant en rubis, là. Ouais, mais tu les as ou tu dois attendre? Ah bah, je dois attendre, maintenant. Faut pas déconner. Non, j'ai doublé, en fait. Tu peux pas les finir. Non, d'accord. J'ai pas l'impression que tu puisses les finir. Soit tu doubles, soit t'en fais... Bah, au lieu d'avoir 5, ça m'en fait 5 à chaque fois, fois 2. Donc, on arrive à 40. 40 ouais. Soldats? Eh bah, dis donc, Maurice. On va être bien. Je sais même pas si je peux leur donner à bouffer, eux. Alors, je regarde les activités d'alliance. Ah, il y a Eric qui veut de l'aide. Oh non, Eric, hein, je t'aide pas, moi. Moi, je connais qu'Isabelle. Hein. T'es un malade ou quoi? Donc là, faut qu'on attende nos troupes. Attendons nos troupes. Et après, on va attaquer un mec. Ouais, tu peux attaquer ton gars niveau 10. Là. T'en as trouvé un déjà niveau 10 ou... Non, je n'ai pas trouvé Maurice niveau plus, 10. 10 ou plus. On va aller sur la carte du monde. Hop là. Non, mais 10 ou plus, mes voisins sont un peu 70, tu vois. Ah, je crois que c'est les châteaux des Pines. Non, ouais, parce que là... Ah, niveau 37, Maurice. Ah bah, il est plus fort que moi quand même, faut pas déconner. Niveau 3. Viens, je t'attaque. Viens, je t'attaque. Niveau 3, mais moi, je... Bah, niveau 3, je le défonce, hein. Là, j'ai un niveau 54. Fiefé coquin, niveau 1. Roi des cales conquérant, niveau 70. On peut aller voir chez lui, j'aimerais voir chez lui. Info sur joueur référencé, visiter le château. On va visiter son château. Ça, c'est un mec 70, tu vois. Moi, je suis 30. Ça, c'est un... Oh, putain. Oh, lolo. Putain, par contre, le mec, il est 70. Bah, si, mais je me fais défoncer, quoi. Enfin, à un moment donné, faut... Il a les remparts au-dessus. Et tu vois, par contre, c'est pas si blindé que ça. On avait dit que les hauts levels, ils blindaient à mort. C'est pas si... Il a les douves à passer, donc. Ouais, il a les douves à passer, les remparts... Et après, intérieur, il a mis ma jardin, en fait. Il a dû trouver une opti de, ouais, de jardinage. En fait. L'entraide est la valeur principale dans une alliance. Ouais, mais moi, mon alliance, c'est je les connais pas. Oui, aider les gens, c'est bien. Genre, vous allez attaquer à plusieurs. Ah bah oui. Ça dit pay to accelerate. Oui, on est dans du pay to accelerate, en fait, tout simplement. Ça vous prend juste plus de temps. Vous lancez vos bâtiments et puis vous revenez le lendemain. Dans cette toute construction. Je vais aider mon alliance, tu sais quoi, je vais les aider quand même. Eric, je vais t'aider. Aide. Est-ce que t'as aidé trop ? Aide. J'ai aidé tout le monde. Oh bah là. J'ai aidé tout le monde. Recruter. Il en est où ? Ah bah il a fini mes piquiers. C'est cool. On pourra aller attaquer quelqu'un avec mes piquiers là. Tiens, on va juste test. C'est dommage, je trouve pas de level 10. Je trouve pas un truc 10 plus 54, ouais, 69. Tu peux pas trier que t'es tous les gars. Bah ouais, parce que ça dépend où ils ont été placés à la base, quoi. Y'a un mec qui s'appelle The Boss. Attends. The Boss niveau 11. Toi, je te déclare la guerre, Michel. Fallait pas t'appeler The Boss, ça m'énerve. 12 pas. Vas-y, 12 pas, on y va. On l'attaque, pas d'espionnage. Ouais, parce que tu sais pas du coup comment il a placé ses unités. Allez, bim, je lui envoie 37 lanciers dans le visage. On va voir si tu fais le malin. Je peux peut-être te mettre... J'ai pas d'armes de... Je pensais que j'avais des... Ah, voilà, je vais mettre des échelles. Mettons des échelles. Oh, peut-être pas 10 échelles, mettons 3 échelles. Et les mecs, ils sont pas... Faut pas déconner non plus. Ils vont pas casser l'échelle. Peut-être pas des... Ou alors, c'est des gros porcs, mais... Peut-être que les... T'as les 5 échelles. Tu me diras 5 échelles pour 37 bonhommes, ils ont intérêt de peut-être vous mettre un peu ça plus. Va. Là j'en ai 209. Allez, je mets 10 échelles. Voilà, 10 échelles. 5, ça fait 6 par échelle, c'est correct. Est-ce que j'aurais pas du bélier? Non, c'est protection de porte du château. Ok.
Et choisis de les attaquer à droite. Ou alors juste pleine face en fait. Après ça dépend comment ils sont répartis en fait. Tu combats sur le premier mur et sinon ils se replient après. Je crois que je vais les prendre de front. Tu mets remplissage auto. Ah oui, il y a le remplissage auto, regardez. Hop, voilà. J'ai mis des piquets ici. Hein. Ah, ça fait trop là. Puis après tu répartis un peu mieux. Ouais, hop. Comment j'enlève, je sais plus. Non, pas clic droit. Moins, voilà. On va mettre 20 soldats là. Tac. Et on va mettre une embouscoude là-bas. Avec 13. Mais non, 13 plus 7, Maurice. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Attends, toi, je vais t'augmenter. Hop, là. Plus. Mais non. Oh là là, 19. Bah, allez-y là. Non, ah bah, je peux pas plus. Ok. 20 là, 13 là. Allez à l'attaque. On y va. Commandant, c'est bon. On est bon, on est bon. Allez, on y va. On l'attaque. Planification du voyage. Donc, réduction du coût du voyage aller-retour, 25%. Ouais, réduction du voyage aller-retour, ok. Réduction du temps voyage aller-retour, 47%. Ce qui nous donnerait quoi? Un total de, je m'en fous, je paye en... Je paye en rubis. Arrivé à midi 41. Mais non! Midi 43 ou midi 45. Mais tu te fous de moi, Maurice? Mais oui, mais il y a un quart d'heure pour y aller. Je te disais, sur la droite, tu pouvais en rajouter 7. Ah, mais il se fout de moi pour y aller, il me faut un quart d'heure. Ah bah c'est pas à côté, il faut bien marcher. Bah ouais, mais vas-y, prends le transport en commun. Et pas le bus. Ah non, je peux pas aller plus vite là, vous n'avez pas de plume. J'ai pas de plume. De voyage rapide pour utiliser les chevaux rapides. C'est con que j'ai pas de plume. Bah, c'est parce qu'il est vachement loin le mec, 12, c'est trop loin. Mais non, parce que midi 41, on aura fini dessus. Ah bah oui. Alors attends, trouvons quelque chose de plus proche. Je suis où moi déjà? Là on est à quoi? Attends, tu peux cliquer, je crois, revenir à ma position. Un truc comme ça. Allez à destination, lieu de marquage, chercher joueur. Ah, t'as pas un truc. Je sais plus où je suis. Grand-duc Kikou 19. Lui, j'ai envie de l'attaquer, mais il est niveau 69. Ah, chevalier seigneur. Ah bah c'est moi. Voilà, j'ai trouvé. Je me suis trouvé. Ouais, mais toi t'es level 3. Je vais te rouler dessus. 36. T'es vachement haut toi. 54. Niveau 1. Ce serait bien. Ouais non, toi t'es collé à moi. Mais t'es trop fort. 70. Faut pas attaquer à plus de 10 levels au-dessus. Allez, je tente le 36. C'est parti. Ouais, je le sens bien là. Je le sens bien. Remplissage auto. Voilà, il est en train de nous faire une technique in front of. Hop là. Tac. 13h! Mais t'es un malade, c'est à côté de chez moi! Mais t'es fou! Ça serait encore plus loin là. Mais 13h, je suis à côté! T'es sûr que t'as pris le bon truc? Mais bien sûr que j'ai pris le bon truc. Michel, il habite à côté de chez moi là. Je suis là. Moi, je suis là. Lui, il est là. C'est château bon. Étranger, je suis là, il y a une montagne, je veux bien. Oh les gars, vous passez par Brest ou quoi? 4 ans. Si je vais attaquer lui, il dit quoi? Attends, tac, tac, remplissage auto, tac, tac, midi 34. Bah là, voilà, 3 minutes. Tu fouches mon gueule. Ah, c'est déjà mieux 3 minutes. Bah ouais, mais l'autre qui est de l'autre côté de la colline, là. Je vais être obligé d'attaquer quoi? Celui-là, combien de temps il me faut pour aller voir lui? T'es combien, level combien toi? Vous sentez la loose avec le peu de soldats qu'il a. Ah, oui, Décapierre, oui, Décapierre. Si je vais t'attaquer, Décapierre, on est à combien? Voilà, combien, midi 34, mais lui il est niveau 70. Ah ouais, bah oui. Niveau 70, c'est pas la peine. Mais non, bah non, je vais pas jouer avec lui, je suis pas fou, je vais créer une guerre sans précédent. Niveau légendaire 42, Michel. Pourquoi lui il est là? Pourquoi il faut que je fasse tout le tour de la colline? Vous êtes pas sérieux, les gars? Oh, il faut la. Vous avez moyen. Et creuser. C'est pour ça, chef, on arrive à 13h. On arrive trop tard. Je suis dans une zone, il y a trop de mecs au level. C'est la merde. C'est la merde, Michel. C'est bien parce que. Oh, trop bien ma blague. Lancer une attaque. Ouais, c'est ça. Plus t'as d'unité du coup. T'as vu ma blague? Ah bah, midi 36, j'en ai trouvé un, il est level 37. Allez, vas-y, lui, on le défonce. On le défourait. Bon, donc, je lui envoie quand même 5 archers et 39 piquets. Alors, attends, ça, je vais le faire moi-même, Michel, parce que sinon. On va pas s'en sortir. Mais non, je vais pas me faire raser. Il va tout perdre, quoi. Mais non, je vais pas tout perdre.
Ouais, mais pas des trucs de siège, ça ralentit, c'est trop lent. Ça dit, ce ne sont pas c'est les unités qui définissent le temps de voyage. Oui, les trucs où ils doivent être 200 pour tirer un chariot, c'est sûr que c'est lourd, quoi. Ils doivent être 200. J'imagine trop les 200 mecs en train de tirer un chariot. Ah, mais merde. Bah, il faut bien l'amener, là. Allez, attaque. J'imagine ce qu'il y avait à l'époque. Hein, attaque rapide. 3 minutes 10. C'est parti, midi 37. Bah, c'est bon. C'est parti. On est en route, là. On est en route, Maurice. Alors, attends, parce que après, je vais recevoir ça dans mes messages. Et j'ai un peu beaucoup de messages. Voilà, rapport de bataille. Ça, c'est notamment un rapport de bataille. Attaquer et tout. Non, j'ai gagné, là. Ouais, sabotage du château. Est-ce qu'on peut vider tout? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Voilà, supprimer. Ça peut aider. Non, parce que ça date, ouais, ça date là. Supprimer. Vivre dans un donjon. Il y a 17 jours, laisse-moi tranquille, c'est trop vieux ça. Ça, faut supprimer ça. Faut supprimer ces messages-là, madame. En même temps, supprimer. Si tu te fais raser, non. Il recréera des troupes. Mais ça va pas ou quoi? Je me fais raser rien du tout. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que je vais aller chez le coiffeur ou quoi. Je t'ai fait raser? Bah non, ça va. Y aller d'ailleurs. Laisse-moi tranquille. Hop. Bon, après on verra notre rapport de bataille. Regardez juste sur la carte du royaume. Donc il y a vraiment... Mais non, c'est pas ça que je voulais voir. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Je parle de moi, hein. À la troisième personne, je trouve ça cool. Oui, ils sont là, ils y vont là. Vas-y, Maurice. La loose arrive dans 3 minutes. C'est vrai qu'il est un peu plus haut level que moi. Il a peut-être mis des... J'ai peut-être créé une guerre. Je vais peut-être le mettre dans ma guilde. Oups, je crée une guerre. Tâche du jour. Vaincre un château de fiefé coquin de niveau 10 ou plus. Bon, ça sera pas faisable. Encaisser des impôts, c'est en cours. Réaliser un sabotage. Ah, je pourrais foutre le feu chez quelqu'un. Glace et neige, ça s'enraîne des neiges. Ça ne m'intéresse pas, merci monsieur. Produisez des engins. Mais vas-y, viens, on produit des engins, Michel. On va produire des engins. Si tu m'offres... Hop là. Production en cours de siège. Ok, 41 minutes. Ouais, c'est pas grave. Comme ça, j'aurai le bonus dans 41 minutes. Bon, ils en sont où, mes soldats? Il y a écrit collecté dans le message, il passe à côté. Ouais, on s'en fout. Là, vous voyez, là, le château Taga, là. Il y est presque. Ça va taper. Feu, hein. Je crois, hein. Ça va... Mais comment ça, j'ai encore mon village en feu? Là, ça va taper. Ça va taper. Ça va taper. C'est dommage que tu vois pas le combat. D'où ça brûle? Mais où il brûle, lui? Ouais, je sais qu'il faut que je répare, mais c'est où ça brûle? Attends, je me rapproche de l'écran. Eh, mais ça brûle de partout. Eh, mais j'ai tout mon village en feu. Mais j'ai tout mon village en feu, j'avais pas fait gaffe. Ça brûle de partout. Ça brûle. Attendez, j'utilise mes rubis. Ah, mais putain, j'ai tout le village qui a cramé. Il y a un con, il m'a saboté. Et tu vois pas les flammes sur les bâtiments, c'est les espèces de... Mais ouais, je croyais que c'était un nouveau skin, moi, je trouvais ça chelou. Mais putain, j'ai tout mon village, il brûle. J'ai tout réparé d'un coup. Ah bah vas-y, comment tu peux tout réparer d'un coup? Sur la flamme, je pense, sur le truc feu là-haut. Non, tu cliques là-dessus, il te dit pensez à réparer. Non, faut les réparer un par un. Oh, il y a un saloupette. Il m'a brûlé. Il a dit tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai un message. Espionner ta cible. Me dit espionne ta cible avant. Non mais non, parce que là, je suis sûr de mon coup. De toute façon, ils sont partis maintenant. Là, de toute façon, ils sont sur la route. Le tam-tam, il passe pas. C'est pour te dire... Le tam-tam de notre passe. Hein. Je sais pas si vous avez connu le tam-tam. C'est parce que moi, je les ai fournis en tam-tam. Ça coûtait trop cher en mobile. Donc là, si je peux pas les appeler. Le tam-tam passe pas. Deux messages. Ah. D'accord, on a eu un petit souci. Conseil en attaque, ça commence mal. Si le jeu t'envoie conseil en attaque, attention. Pour attaquer avec succès. Ah, tu sens que t'as merdé. Contrer les défenses, ok. Allez, fais voir mon rapport de bataille. Défaite. Putain, j'ai perdu Jean-Paul. Alors attends, je te dis ça. Je crois que j'ai déclenché une guerre. Nombre de défenseurs, 148. J'en ai tué 3. Moi, je suis venu avec 40 bonhommes. 148. Alors en gros, je t'explique la tactique. Je suis arrivé sur le flanc avec mes 30 bonhommes. Sur les deux flancs, j'ai envoyé 30 et 15. Bon, j'en ai perdu 30 sur le flanc gauche, 15 sur le flanc droit, ils sont pas passés le mur. Non, je suis pas arrivé. Ah si, j'en ai 30 qui sont arrivés dans le donjon. Bon non, là, on voit ils même pas comment c'était réparti quoi. Là, ils se sont fait déglinguer la gueule. Voilà, les 30 du flanc gauche sont passés quand le flanc droit s'est fait niquer et après
il s'est passé une chose étrange dans la cour. T'imagines qu'il y avait 4 bonhommes qui avaient... Je me suis fait gangbang. Non, on voit pas combien il avait en défense à droite. C'est ça. Château, je crois que moi, on me laisse un compte level 30, je me fais plaisir, quoi. Je vois des mecs, je les attaque. Je perds, les mecs sont contents, je participe à l'économie du serveur. Bim. Donc le mec chez lui va rentrer, il va faire « Oh là là, il y a un kikou, il m'a attaqué. » Non, monsieur, un bienfaiteur. Appelez-moi bienfaiteur, voyez. C'est comme fêteur, mais en bien. Tu vois, un bien, bienfaiteur. Bon, voilà l'évolution un petit peu pour vous montrer ce qu'on peut faire à level 30. On peut faire pas mal de choses. Hein. Donc là, j'ai pas trop construit, mais il y a pas mal de constructions à faire. Faut déjà que je répare tous mes... tout ce que j'ai été saboté. J'ai quoi? T'as 21 quêtes. Là, t'as fait juste tes tâches. Ah ouais, ouais, il y a... Oh, ouais, j'ai fait... j'ai encore les quêtes, donner du travail aux citoyens. Vous voyez, par exemple, de dire taverne amélioration de niveau 3. Donc, ça vous donne des récompenses. Ce qui est bien foutu, c'est que si vous suivez ça, ça veut dire que vous serez à peu près bien foutu. À peu près. Après, les mecs qui vous foutent le feu chez vous... inventer les pompiers. Parce que t'as pas de défense, ils rentrent comme ils veulent chez toi. Mais alors, c'est ouvert comme ça au moins. Tu te dis si le village est ouvert en mode soyons amis et tout ça. Ouais, les gens ils ont pas besoin de tout défoncer quoi. Eh bah voilà, si t'as pas de protection, on te casse pas tes protections, tu vois. Repartent, quoi. C'est ça. Servez-vous, c'est ouvert, tu vois. L'action n'a pas pu être accomplie, il a pas voulu. Bon, voilà pour le petit pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner quand on est. À plus haut level, alors avec du fail bien entendu, hein, parce que c'est moi, mais voilà, pour vous montrer un petit peu sur Empire Good Game, ce que ça peut donner, on vous a donné le lien, de toute façon si vous souhaitez jouer au jeu, n'hésitez pas, vous trouverez plein de tutoriels sur internet, j'en suis sûr qu'il y a des mecs qui ont fait des trucs overcheat pour vous expliquer de A à Z comment tout faire, hein. Si c'est moi qui vous explique, autant vous dire que, bon bah, hein, ça sera fait, hein, voya. Bon, mesdames et messieurs, on va marquer une courte page de publicité, la pause, comme dirait l'autre, on va se retrouver après sur du Minecraft Infinity Evolve. On verra d'ailleurs si on refait un point un plus haut level, une fois que j'aurai vraiment tout compris. Là, il y a des trucs encore. Je vous ferai un tuto. Si déjà moi je trouve un tuto sur internet, je le pompe et tout, tu vois. Bon, mesdames et messieurs, vous ne quittez pas. On marque 5 minutes de pub, on revient juste après pour la suite d'Infinity Click. Oui, Infinity Click sur le modpack Infinity Evolve de FTB. On se retrouve dans 5 minutes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et ben à tout de suite. Il est midi 47 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. C'est ça, 15h, avec ma coupe de merde. Oh là 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 là, c'est une honte. Hein. C'est une honte d'être coiffé comme ça, moi j'ai envie de vous le dire, mesdames et messieurs. Bon, on repart sur Infinity Click, Minecraft 1.7.10, FTB, Feed the Beast. Oh, les trucs qui se passent à l'écran, c'est tout à fait normal. Bon, j'espère que vous êtes toujours au taquet, aujourd'hui au programme, on aura pas mal de choses, on est toujours avec moi. Oui, toujours là. Et toujours, je suis toujours là, ça me fait plaisir. Et toujours là, oui. Et il va nous rejoindre d'ici quelques instants, que ce soit Oliver, je crois, il va y avoir Fox aussi, il va y avoir pas mal de monde. On va profiter pour faire un petit tweet des familles avec vous, vous avez toujours un chat à droite du lecteur. Utilisez-le, hein. Il sert à ça le chat, hein. Il sert à discuter dans la joie, dans la bonne humeur, tout ça, la famille, t'as vu. Non, c'est pour invoquer Oliver, je fais ça, t'as vu, salut la famille, etc. Hop, petit tweet des familles. Hop là. Une petite image, parce que bon, on n'est pas avare d'images. Bonjour Oliver Statan, comment allez-vous? Bonjour, bien et vous? Bah, ça me fait plaisir que vous demandiez parce que ça va bien. Joyeux anniversaire, Oliver. Mesdames et messieurs, c'est l'anniversaire d'Oliver aujourd'hui. Il prend 15 ans. En fait, c'est 45 ans. Ah, moi j'ai dit 15 parce que je souhaitais être en bonne. Alors, j'aimerais bien que le chat fasse un joyeux anniversaire à Oliver. Si tu regardes la rediffusion, tu peux aussi mettre joyeux anniversaire dans le commentaire de la rediffusion YouTube, Michel. Oui, c'est possible. Tu peux le faire. Voilà, Alex, il s'est mis à jouer à XCOM. Non, j'ai jamais joué XCOM. Je vais pas te mentir, viewer. C'est pas dans mon état d'esprit. Bon, nous sommes sur le modpack Infinity Evolve. Ça y est, j'ai fait tous les tweets, etc. Il y a des bonnes anniversaires Oliver qui arrive, qui est sur le chat. Happy birthday, merci Oliver. Joyeux anniversaire, Oliver. Nous, ce matin, on lui a fait une simili prank. On lui a mis des gâteaux. On lui a bourré sa maison de gâteaux à Maurice. Il a rigolé. Il a fait, oh, c'est cool. Je vais les garder. J'aurai plus faim de ma vie sur le serveur. Voilà. Bon, aujourd'hui au programme, on va faire du Draconique Evolution. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait vous présenter la centrale Draconique.
Donc Tom Craft va attendre un petit peu. On voudrait vous présenter cette centrale draconique. Et pour cela, dit au demeurant, je vais le mettre de l'autre côté, hop là, il va falloir qu'on évolue un petit peu, puisqu'il va falloir qu'on fasse un boss appelé Oliver, le... Ah bon ? Le Chaos Guardian. Le Chaos Guardian. Chaos Guardian qui nous permettra de looter des choses qui nous permettront à faire le générateur draconique qui va se constituer de plusieurs blocs, notamment d'un draconique réacteur core au milieu, et puis vous verrez d'un assemblage avec des stabiliseurs, 4 au demeurant, un énergie injector, mais aussi des flux gates pour contrôler. Il faudra qu'on contrôle la température et la chambre, etc. Je l'ai fait en local, j'ai tout fait péter. J'ai joué en local, ça a sauté, Michel, il y a un trou énorme, il y a un trou béant. Donc aujourd'hui, en gros, il va falloir déjà qu'on fasse une chose pour aller faire le Chaos Guardian, c'est il va falloir qu'on upgrade tout ce qu'on a avec Oro, parce qu'on n'est pas assez suffisamment puissant. Il faut savoir que le Chaos Guardian peut... Enfin, là, avec l'armure que j'ai, il va one-shot. Avec l'armure d'Oliver, la tier 2, il te two-shot. Donc il va falloir qu'on fasse un petit système ingénieux, mais au sympathique au demeurant. Ça va être de monter donc notre armure en tier 2, de monter notre arme, qui est ici, je vais la chercher, elle est là-bas, hop, en tier 2 aussi, mais aussi de faire ce qu'on appelle des flux capacitors, si je ne m'abuse, Oliver. Oui, alors CD, ça s'appelle exactement des draconiques flux capacitors. Voilà, draconiques... Flux capacitor, c'est ceci, voilà, qu'il va falloir charger. Et en fait, ils sont là pour recharger notre armure. Oui. Donc en fait, à chaque fois qu'on va prendre un coup, c'est l'énergie du rechargement, hein, DRF de l'armure va descendre. Et cela, c'est des batteries spéciales pour ça. Donc il va falloir qu'on en crafte quelques-unes afin justement de pouvoir tenir contre ce boss. En solo, faut à peu près 30 à 40 minutes pour le tuer, le Chaos. Hein. Donc vous allez voir que ça va être du sport. On le fera ça lundi. Mais en attendant, il va falloir qu'on prépare le stuff. Bonjour Niejdou, comment ça va où ? Ah bah, je viens vous aider, moi, tiens, professionnel. Ah bah magnifique, professionnel, tout ça. Donc j'ai c'est nickel. Ce que t'as dit ? Oui. Je viens de dire, là je l'ai fait, il m'a montré de son pika, il est ouf. Alors moi j'ai été, j'ai mis des capacitors sur mon armure, tout ça, ouais. Et là je suis un dingue. Ah ça y est, toi t'es déjà prêt, t'as les capacitors. Okay. Non, c'est notre armure qui l'a. Ah oui, d'accord. Ok, magnifique. Alors juste pour vous montrer ce qui a changé à la maison hier avec Oliver, on travaillait dans la maison. Donc ici en fait, Oliver est venu m'aider, on a fait un triple système RF Tool pour les Underpearl pour pouvoir produire beaucoup plus, c'est-à-dire entre 22 et 32 000 RF par tick, ce qui est beaucoup mieux. J'ai changé, donc je les ai passés en vibrante capacitor. Donc je les ai tous mis ici parce qu'en ayant, en dédoublant les batteries, c'était un peu le merdier. Tu pouvais pas forcément suivre où t'en étais dans ta conso. Vous verrez pourquoi, parce qu'on va avoir besoin de faire des blocs chargés de draconique. Alors blocs chargés qui se font normalement dans l'énergie infuseur, mais vous pouvez aussi le faire directement dans les capacitors. C'est la magie du modé, les modes entre eux fonctionnent. Donc ici vous voyez, on a fait 3 étages. Alors, nous avons un problème. Ah non, c'est une chauve-souris. Ah bah, oui. Ok. Ouais, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. J'ai fait tout noir. Donc vous voyez, on a passé tout ça ici. C'est 3 fois le même système qui est alimenté, toujours encore une fois. Et c'est ce qui a été modifié hier. Je sais pas si je voulais montrer ça les viewers. Non, je crois pas. Par la nouveauté, c'est-à-dire le spawner. On a un double spawner, un normal, un draconique au-dessus pour les Underman qui fabriquent des Underpearl. Underpearl qui viennent dans le système RF Tool, qui sont injectés en fait dans cette machine qui est ici. Attendez, je vais vous montrer le système pour vous montrer. Donc c'est injecté ici via mon ME. Hein. En fait, tout simplement, mes spawners en face envoient les Underpearl dans le ME. Le ME revient via un import bus dans, enfin un export bus dans le Pearl Injector, et qui sont traités en fait dans l'Undergenic Generator pour créer de l'énergie. Ça c'est la base. Après il y a 2-3 complexités. C'est pas le système le plus compliqué au monde. Il y a un peu de farm à faire, mais ça permet d'être pas mal. Alors si vous voulez plus d'énergie que les 32 000 RF par tick, c'est à dire que vous divisez, c'est à peu près 10 000 RF par tick par mécanisme. Là vous voyez il y a 3 hauteurs, donc à un moment donné il va falloir, moi j'en ai fait 3 ce que je voulais, j'avais pas envie de faire autre chose que ça. Sinon après il faut partir par exemple sur un big generator qu'on peut faire Oliver ou Oro. Big generator plus merde, les pales, les turbines, merci. Donc ça c'est aussi faisable tout à fait. Au niveau de la salle, on l'a refaite entièrement avec Oliver, assez ingénieuse. Donc vous voyez qu'ici il y a un Tesseract qui permet d'amener et l'énergie et les items, hein. Rappelez-vous que le Tesseract permet de le faire, c'est assez magique cet outil de thermal expansion. Donc en fait de ce fait là on a fait, alors vous me voyez en, on est en night vision, hein, parce qu'en vrai on voit rien là-dedans. Donc en dessous, vous voyez, c'est toute la curse avec 1, 2, 3, 4 grinders qui vont récupérer simplement la mob essence qui va dans le tank au fond de Rycraft, qui est un tank assez pratique et assez facile puisqu'il peut stocker beaucoup de mob essence. Et après, on a fait 4 pièces. Alors les 4 pièces sont accessibles encore une fois ici à chaque fois via des petits trucs. Donc les Underman qui restent tout le temps allumés puisque c'est mon énergie, hein, tout simplement, une fois qu'ils sont tués, ils pop des Underpearl. Ces Underpearl vont dans mon système et alimentent RF Tool. De l'autre côté, j'ai mes villageois. Dès que j'ai besoin de boire, d'ailleurs...
peut-être aller tuer un Maurice pour le principe. Maurice, Maurice. Ah, tu vas me sucer? Ah bah oui, venez. Comme ça, c'est bizarre. Bah venez, venez, moi ça me va, hein, je veux bien... Tout à l'heure, tu me suceras. Ah d'accord, tout à l'heure. Donc, ce principe-là, et j'en ai deux autres. Donc ça, rappelez-vous, c'est les gaz qu'on a trouvé, les mini-gaz qu'on a trouvé hier dans le Never pour des Underpearls. Et en face, j'ai mis des Blaze. Dans la Twilight. Dans la Twilight, ah, oui. Dans l'Underpearl. Oh, on était tous dans l'Underpearl, t'es mignon. Dans la Twilight. Dans la Twilight. Et donc là ici j'ai des Blaze. Alors petit système ingénieux, grâce à RF Tool, vous voyez, on a fait afficher les, le temps Crycraft pour savoir combien on a de mob essence. C'est toujours intéressant. Petit panneau on off là-haut juste pour se le rappeler aussi, quelqu'un vient chez moi et a besoin. Un petit coffre en diams avec des safaris. Squelettes, creepers, zombies, ce qu'il y a besoin de farmer. Et donc il suffit d'activer ou désactiver. Donc par exemple, ouais, salle jaune. Ben, on va aller voir ton système après. Ah ouais. Salle jaune qui est ici, pour faire la salle jaune, hop, je la mets en off, vers le bas en off, donc ça ne popera plus. Voilà, pareil si je veux, sur la salle bleue, hop, ici. Donc je peux tout simplement décider quand j'active et que je n'active pas, et après à chaque fois j'ai un petit système caché, mais je peux aller hop directement sur la safarinette la chercher. Alors vous me voyez être poussé, c'est normal, il y a des ventilateurs cachés derrière, des ventilateurs, je sais plus de quel mode, mais qui sont d'open block, qui sont pratiques. Et sur le côté on a quand même mis ça pour qu'ils soient ramenés dans la zone de 5 par 5. Hein. Je vous rappelle, le grinder c'est 5, donc 2 à gauche, 1 au milieu, 2 à droite et 5 vers l'avant. Voilà, donc ça permet d'être assez pratique et donc on peut changer. Par contre, c'est pour sortir de ces salles, c'est toujours compliqué. Hop là, ça permet de pouvoir faire spawn quand on veut. Et ça, c'est plutôt pratique parce que tout est renvoyé vers le ME, donc il faut juste faire attention à pas laisser. Moi, j'en ai pas forcément besoin, je laisse allumer 2-3 heures, une après-midi. Je farme de la blaze, des gaz tirs, de ce dont j'ai besoin, et puis après, voilà. Alors, il y a une évolution à ces salles-là possible, c'est directement de les faire via Draconic. Puisqu'on ne peut pas faire tous les mobs via les safarinettes, notamment les Iron Golems, par exemple, si vous avez besoin de faire, il faudra des spawners draconiques comme au-dessus. Donc ça, on le verra aussi, puisque je vous emmène quelque part. J'ai commencé le début de Tomcraft ici. Hop. Ici, il y aura la salle Tomcraft à gauche, qui sera sûrement tout ce qui est outils, etc. À droite, toutes les tables, ou peut-être là, les outils, les tables, etc. Ici, j'ai déjà préparé une salle à spawner, puisque Oliver en mettra quoi dedans ? Des wisps. Eh bah oui, un wisp, un spawner à wisp. Oui. Vous verrez, on va se marrer. Allez chercher le wisp, l'essence pour Draconic. Donc ici, il y aura une salle spawner à wisp qui ira directement dans le ME de Tomcraft, puisque je ferai un ME à part, un petit ME spécial Tomcraft. Et ici, on aura la partie altar. Donc oui, c'est en travaux, hein, c'est en réfection, mais ça va arriver tranquillement. Je trouve ça simple. J'aime bien basalt et les vides violettes qu'on a trouvées dans les forces finnes, ouais. Ouais, ça c'est sympa. Et au sol, c'est les runes qu'on a trouvées. Je sais pas, je fais des tests, hein, on verra après ce que ça donne. Mais ça fera assez sympa, surtout qu'en fait, tu peux voir les pièces en entrant. Si c'est des vitres à l'intérieur, je sais pas si c'est des vitres. Ouais. Donc bon, voilà. Donc ça, vous le verrez, on fera un spawner draconique. Justement, ça ne fonctionne pas de la même manière. On vous montrera à ce moment-là. C'est assez fumé, comme tout le mode draconique évolution. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait du farm. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me dépêcher toi, Oro, ou pas? Ouais. Ah vas-y, ouais, je sneak. Intérieur ou extérieur? Extérieur. Ouais, c'est bon, on va dire que c'est la nuit. Allez, vas-y, vas-y, mais dépêche-toi, j'espère que je trouverai un abri. Hein. Au pire, je trouverai un arbre. Ouais, ça va. Ok, donc on est chez toi, tu sais quoi, je vais mettre le mien ici. C'est la nuit. Hop. C'est la nuit. En nuit. Ouais, c'est la fin de la nuit. Oro, mais... hop là, comme ça, moi je pop ici. C'est très bien. Tac. Donc dans ton château, on va aller voir un petit peu ce que t'as fait. Alors je vous rappelle que ce château est extraordinairement grand. Putain, t'as bien avancé. Oh oh. Ah, j'ai envie de t'appeler mon con. La première salle est finie. Oh là 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 là. Putain, le truc. J'ai bien avancé, mais il me reste à peu près autant. On va dire, avec les côtés, ça doit faire à peu près autant à construire. Oh là 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 là, le truc. Putain, il y a du travail. Ok. Et tu les as fait où, tes machines? T'es dessous, viens où je suis à l'entrée. J'arrive, Michel. En fait, j'ai aménagé pour pas... Oh putain, il y a le soleil, il y a le soleil. Tu veux tous nous loger? Juste là. De quoi? C'est combien le loyer? Bah ouais, là, je pense qu'on est tous logeables. Non mais mec, à un moment, on peut dire quoi, hein. Parce que, au pire, on met le serveur là, et puis on se casse. J'ai adapté... J'aime beaucoup être en intérieur maintenant, ça me fait plaisir. Ah oui, d'accord, donc là t'as toute la partie. Alors, si on vous rappelle juste, ici c'est un big reactor basique. Dans le big reactor, on met de la yellowrite. La yellowrite est transformée en énergie. Et vous pouvez aussi travailler avec, je crois, l'uranium qu'on peut transformer en yellowrite. Et le truc, attends, moi j'ai appris des choses. Ah, Nijdan, alors Nijdan qui était hermétique un peu au Minecraft en mode, mais il y a quoi à faire, maintenant il est en mode, putain, c'est trop bien les modes. Il est parti, il farme toute la nuit et tout ça. On peut recycler la merde là de... Oui.
la merde, là, tu sais, c'est ce que ça donne, par exemple, il donne des trucs bleus là. Ouais, la cyanide, c'est recyclable. On transforme en plutonium. En plutonium. Ouais, et en 2 pour 1. En dessous, j'aimais la jarrée là. T'imagines si dans la vraie vie, on aurait du 2 pour 1 en... avec les déchets radioactifs. C'est ouf, hein. Et donc là, comme vous voyez ici, c'est les fameuses turbines. Alors, c'est vraiment la composition des deux qui va être intéressante. C'est-à-dire que vous avez. Alors, c'est faisable aussi au steam. Mais Steam le steam boiler à la place d'un big reactor, mais là vous avez vraiment le big reactor et les turbines. Tu dois monter à quoi, 80 000 RFX, hein? 96 000 normalement, parce que c'est 4 fois 24 000. Ouais, c'est ça, 4 fois 24 000. Donc là c'est vraiment intéressant à faire, parce que là en termes de production d'énergie on est vraiment bien, quoi. T'as mis un joli sound muffler, ce qui fait qu'on n'entend rien, ça fait plaisir. Non, il n'y a pas de sound muffler. Bah, c'est bizarre, pourquoi on les entend pas? Elles font plus de bruit. Elles font peut-être plus de bruit. Ah putain, parce qu'à la base elles faisaient tellement de bruit. Ça demande si Oro a une vie sociale dans la vraie vie. Non, bah, pas en ce moment. Là, c'est. Là, on est sur les. T'en as mis 4 des laser drills? Je vais en mettre 4. Ah oui, putain. Une dans chaque côté. Alors, laser drill, le principe. Alors, oh putain, ça fait mal ça. Ouais. La laser drill, le principe en fait, c'est que c'est un outil de minage sur des choses qui n'existent pas. Ça génère des minerais. Ça génère des minerais. Donc en gros, et moi je pense que je m'en ferais peut-être une de là. Ah ouais, enfin. Oui, alors avec 30 000 RF particles, Alex, non, tu ne feras pas de laser drill. C'est 20 000. Ouais. Donc, maximum c'est 20 000. Ouais. Prends le stack de 8. Donc l'idée de la laser drill, c'est qu'elle demande énormément d'énergie. Le craft est très compliqué. Enfin, très compliqué, oui et non. C'est surtout les slimes à la con, les slimes transformés là, qui sont de la merde. Ouais, les pink. Et les pink. Mais si t'as une safarine. Oh, je t'aime, toi. Si t'as une safarinette de pink, je t'emprunterai peut-être pour en faire une safarinette. Non, j'ai pas de safari sur moi. Si, j'en ai toujours deux. Ok, elles sont là. Au pire des cas. Tu l'as, tu peux la... T'as un spawner à mob ou pas? Je l'ai pas installé. Ah oui, d'accord. Bon, au pire, on passera chez moi plus tard. Ok, donc là, les safari. Hop, si on descend, je voudrais juste vous montrer ce que ça donne. La laser drill, voilà. Donc, il y a la boule draconique et la laser drill, ça descend. Hein. L'idée, c'est que ça va en sous-sol, ça fait jusqu'à la bedrock. Et donc, ça crée des ressources de rien. Par contre, le craft est un peu chiant et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, en dessous, on a la boule de stockage, qui est la boule draconique évolution. On vous la remontera, puisque à terme, tous les farms qu'on va préparer là, ça va être pour aller faire le boss, puis pour pouvoir préparer une centrale. On a prévu avec Oliver de faire une centrale de ouf. Alors, ça sera pas forcément stable, ce qui fait qu'on va peut-être être un peu tendu du cul avec Oliver, parce que what the fuck, quand ça explose, ça fait mal. Mais cette centrale devait créer de l'énergie de façon dingue. Donc vous voyez la boule draconique sur quoi, le tier 4, tier max là, tier 6, tier 7. Voilà, on est sûr, vous voyez qu'il y a un petit peu de stockage dedans. Alors ce qui est intéressant, ce qui fait de ce mode fumée, c'est que dès que tu vas avoir besoin par exemple pour infuser de 500 000, 1500 millions par exemple de RF pour infuser une... Un bloc de draconium, pardon, je vais y arriver. Et ben là, t'as du stockage. Donc, tu peux taper directement dans ton stockage. Voilà. Donc, après, le plus difficile, ça va être d'avoir les bons câbles. Hein. Bon, il y en a qu'un, en fait, qui permettra d'amener assez de puissance. Ouais, j'ai mon dispatcher là-haut de bras. Ouais, c'est ça. À part les câbles en cryotium, je vois pas ce qui pourrait emmener autant de puissance après. C'est si t'as besoin de sortir beaucoup de puissance d'un coup, en fait. Là, j'ai les tesseracts après, j'ai mon dispatch. Alors, après, sinon, la technique, c'est la technique au tesseract. Parce que le tesseract, je crois pas qu'il soit bridé. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de bridage sur le Tesseract. Donc, on est le premier habile, on voit toujours Nicolas. Nicolas, la 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 la. Vous êtes fait strike cette vidéo car on voit Nicolas Cage. Merci, bisous. Donc, en gros, la centrale dans la Twilight. Non, on va la faire dans l'Underworld. On va la faire loin, par contre, très loin. Oui, donc en gros, ce que je vous explique, aujourd'hui, on va farmer un petit peu pour augmenter les armures, pour aller sur du tier 2, mon arme et mon armure. Pareil pour Uro. On va vous montrer les étapes. Ce week-end, on va farmer comme des porcs et on va surtout faire une structure carrée ou cubique à la con pour qu'on soit à l'abri du soleil, pour moi, mais aussi que, ouais, je sais pas quoi, s'il faut construire dans le désir à l'abri, ouais, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Donc voilà un petit peu pour vous montrer ce qu'Oro a fait. Des petits boutons là-haut. Attends, parce que tu peux pas aller au soleil. Hein. Ah, ouais, non, mais c'est dedans. Ah, moi, dès qu'il y a du soleil, c'est baisé. Hein. Du coup, j'ai mes spawners là sur les côtés un peu comme pas, les salles. Ouais. Parce qu'au lieu d'avoir des leviers, tu regardes. Attends. Ah, oui, c'est ça que tu voulais me montrer. Il a fait tout un panneau de. Oh lol! Et tu tapes dessus sur le Underman, tu tapes comme si tu voulais donner un coup. Oh putain, voilà. Mais c'est trop bien! Ça pop là-bas, c'est allumé de l'autre côté. Bah, je connaissais pas, tu vois. Là t'as éteint, voilà, là c'est allumé. Oh mais c'est fumé. Et tu peux faire pareil avec tes laser drills. Ouais, les laser drills, j'ai mis un check derrière qui bloque la batterie et ça m'active ou désactive la laser drill. Comment t'as fait ça? Montre-moi le système. Système Wi-Fi comme on a fait nous avec les leviers. En fait tu mets un... Dedans, t'es où, c'est attends. La carte... Je suis juste à côté de toi là. Ah merde.
C'est la carte bouton en fait. Ouais, bouton module. Ouais, okay. Parce que ouais. Bouton module. Donc tu lis en fait au truc receveur qui est en haut. Je les ai mis sur les toits, je suis sorti là. Bah, les boutons, et l'autre c'est juste pour me dire si ça allumait ou pas. Que tu lis au récepteur Redstone Receiver. Putain, mais c'est tout con. Ça active ou désactive. D'accord. La Redstone. Ouais. Et après le check, Oliver, on fera peut-être un upgrade oui, demain. J'ai compris. J'ai compris. On va peut-être faire. Tu cliques sur l'écran et que ça j'allume ou j'éteins sans ce que j'ai besoin les trucs. Mais limite, en fait, tu pourrais te faire un panneau de contrôle géant pour tout en fait. Si tu ouais, prends un peu la tête. Je vais mettre mes 4 lasers. Parce qu'en fait, tu vois là, je pourrais tout éteindre ou allumer. Ça, c'est pratique parce que si après tu fais une laser drill ou d'autres trucs, limite, tu peux stocker toutes tes machines et dire oui, non, oui, non. Et tu vois ton stockage des refs aussi, ouais. Bon, ça c'est pas très compliqué. T'as dit tout le monde il est en IHDAN, mais non, on a non, c'est qu'il était il mort est là, et il est parti chercher de l'aide dans notre canal en fait. Il va revenir. Putain, c'est pas mal, c'est Enderman, Spawner 2, Spawner 3. Putain, c'est ouf ça. Du coup, j'ai fait ça hier, j'ai fini d'installer. C'est vraiment sympa. Déjà, au levier, j'aimais beaucoup, mais là. Là, c'est assez dingue. Ouais, bah bon, on verra ça, de toute façon on n'est pas pressé Oliver. J'ai un peu tout testé en fait, j'ai crafté plein de trucs qui me servent à rien là maintenant. Ouais, mais comme tout le monde. J'ai essayé un peu tous les modules en fait du coup, pour voir ce que ça faisait. Ah si elle est protégée, je veux dire, bizarre, elle est pas protégée. Si elle est sécure. Elle est sécure. Bon, mesdames et messieurs, partons sur le farm. On a fait un petit tour chez Oro, on reviendra de toute façon bientôt. Mais c'est pas mal, ce système là est vraiment sympa. Mmh. Comme ça je peux tout couper comme je veux. Allez, on est à la maison. Donc, il va falloir qu'on fasse des choses, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on upgrade. Vous voyez, on est sur des wyverns, helmets, etc. Avant de faire tout ça, il va falloir faire les armures draconium. Draconique. Oui, la première, on l'a. Donc, vous voyez, la wyvern chestplate violette. Ah non, c'est celle que j'ai. C'est celle-là, voilà. La draconique chestplate. Donc, on se dit, ah bah d'accord, je vais pouvoir la crafter. Sauf que là, oh là là, il nous faut la wyvern, on est d'accord. Et là, il nous faut des nouveaux lingots qu'on n'a pas vus. C'est pas des lingots de draconium violet, comme vous les avez ici, qui sont les draconium ingots, mais bien des Zawakned draconium ingots. Alors là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est cela se récupère uniquement avec des cœurs de dragon. Alors j'explique la procédure si normalement je m'en rappelle. Il faut d'abord faire pop le dragon. D'accord ? Pour cela, il va nous falloir... Avec Sudbast, t'as un cœur. Donc il va falloir, si on veut refaire pop un dragon, une Resurrection Stone... 4 blocs de draconium chargés, 4 blocs de glowstone, 4 blocs d'obsi, 4 blocs de diamant et 12 piliers de quartz. Une fois qu'on pose tout ça, il y a un pattern, ça fait pop un dragon. Ce dragon, on le tue, rien de compliqué. Il nous loot un cœur. Ce cœur, on le pose au sol, on le fait péter à la TNT, on pose les blocs de draconium 4 maximum, normaux, ainsi que 16 draconiques corps. Qu'on lance dedans. Normaux. C'est des normaux. C'est des chargés ? Attends. J'ai un doute. Je sais plus. J'ai un doute. C'est des normaux. Hein. Avant, c'était les chargés, mais. Normaux. Donc, tu poses tes 4 blocs. Une fois que t'as fait péter la TNT, le cœur s'active. Tu poses tes 4 blocs en dessous et tu jettes 16 draconiques corps, 4 par bloc. Donc, ça fait 16. 4 fois 4, 16. Et à ce moment-là, tu as 4 blocs. Tu as 4 blocs de draconium à Waked. Donc, quand même, il va falloir, voyez, rien que pour faire le chestplate, un Awaken Core. Oh là 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 là, putain, tu fais un item par dragon en gros. Il a pris des notes ce matin, mais il a noté, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait, il a noté. C'est un item par dragon en fait. Tu prends des notes que pas se souvenir. Tu fais un peu plus d'un item par dragon. Je suis pas sûr. C'est les chargés en fait. Pas pour tout faire. Des chargés, bah du coup tu fais 4-1, ouais c'est chargé. Donc il faut 8 chargés par dragon. 9-9-18-10. J'ai calculé qu'il fallait 80 barres et 8 blocs. Par dragon pour le sort d'incantation. Moi j'en ai 4 chargés déjà. J'en ai 4 chargés sur moi, je vais en recharger 4. Alors là vous allez voir pourquoi. Déjà j'ai fait plus d'énergie. Alors regardez, première méthode pour l'énergie, c'est de faire ça dans l'energy infuser. Hop là, dans l'energy infuser, vous placez un bloc de draconium bloc, parce qu'il va falloir des chargés pour avoir des chargés. Donc c'est parti, il travaille. Alors là c'est très long. Parce qu'il va tout travailler comme un abruti. Vous avez l'autre solution, parce que ça fonctionne aussi, c'est de le faire, il est limité par le câble. En fait, il faut savoir que derrière, hop, non, c'est pas celle-là, elle est là. Voilà. Derrière, la batterie, elle est raccordée avec de l'under énergie conduite, qui est limitée à 20 000 RF par tick. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça passe derrière, et ça va directement, hop, ici.
Vous avez une autre astuce, sans crafter l'Energy Infuser, parce que là vous voyez il met un peu de temps, il est qu'à 15%. Vous avez une autre astuce qui est de fait de mettre directement votre Draconium Block dans, vous voyez, hop là, bisous, voilà, dans votre capacitor bank, qu'il soit vibrante ou pas vibrante, on s'en fout. Donc là vous aurez plus de rapidité, c'est pour ça que je les ai montés en vibrante pour avoir 2004. Après le max output qu'ils ont. Si tu peux, là oui, on est en max output, tu vois, je suis à 2 millions. Oui. Donc, hop là, on va en mettre deux d'un coup. Je vais tout éclater. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. En fait, il monte et après, boum, il saute d'un coup. Voilà, et pendant ce temps-là, je viens d'en faire 3. Vous voyez, je viens d'en faire 3, l'autre, il est à 20%. Bah, on l'attend. T'as pas... voilà. T'auras un cryothéum. Bah, il y aura un cryothéum derrière, ça irait, mais je vais pas câbler. Pareil, en fait. Je vais pas câbler partout un cryothéum. Tu vois, là, tu peux le faire. L'astuce, je voulais montrer les deux. Je vais virer après mon énergie infuseur, mais je voulais montrer les deux. Donc, d'ailleurs, j'ai un petit souci, moi. Je suis débile. J'ai mis un à gauche. Enfin, je refasse. Ah bah ouais, je vais refaire. Bah, c'est cool, j'aurai encore plus d'énergie. Je vais refaire. Non. Je vais refaire une rangée. Je vais refaire une rangée ici. Est-ce qu'il me reste du vibrante? J'en ai fait masse. Oui, j'en ai. J'en ferai plus tard, c'est pas très grave ça. Donc voilà, donc dans l'idée, il va falloir qu'on fasse le dragon, et ce plusieurs fois. Afin... 15 lingots par item, et tu donnes 36 lingots. Bah, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va me manquer si avec deux cœurs, tu fais full armure avec deux cœurs. Hein. L'armure, et après il y aura l'arme. Et... Oui. Après il y a l'arme, elle est là, la Draconic's World, vous voyez, qui fait que la Oliverne. Il faudra que j'enlève mes bouquins d'ailleurs dans la Draconic ou pas? Ah oui, il faut le dire. Tu sais quoi, je vais faire tout de suite. Alors, moi j'ai bindé ça en touche 7. Mais là, on doit tuer un dragon. Hop. Ah oui, bah, je vais peut-être la garder. Inventaire, vous voyez, vous pouvez les mettre comme ça. Peut-être, oui, c'est lui qui va sans enchante. À poil. On a perdu Niejdan, il revient pas. Parce que je veux pas. Il vient pas avec nous faire le dragon. Niejdan meurt en boucle, apparemment, pour récupérer son stuff. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? On peut pas le TP, faire quelque chose? Est-ce que l'end a été reset, les gars? L'end a été reset. Alors, on vous explique pourquoi on a reset l'end. Alors, moi, il faut absolument que je fasse un truc, c'est que je vire mon TP d'end, parce que sinon, j'aurai des soucis. Oui, moi, j'en ai voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on est sur le serveur, on est 12, je crois. Vous imaginez bien que quand il y a Draconic Evolution, tout le monde saute dessus. C'est normal, en fait. À partir du moment où on vous le laisse, c'est un mode qui est ultra pratique et ultra cheaté. Vraiment, c'est sûrement l'un des plus beaux modes pour beaucoup de choses. Alors plus beau, mais facile, parce qu'il ne demande que du farm. Il ne demande pas de compétences spécifiques, alors à part pour le réacteur qu'on va faire, oula, on va commencer à en chier un petit peu, et c'est cool qu'ils aient rajouté des contenus comme ça, mais en soi, le mode ne demande pas de farm intensif. Il demande du farm intensif, mais il ne demande pas de savoir-faire comme on peut l'avoir sur du big réacteur. Alors vous me direz, c'est pas dur, oui, ok, mais il y a quand même un savoir-faire, savoir optimiser, etc. Pareil sur du RF Tool pour faire de l'énergie à l'Underpearl, etc. etc. Pour un ME, pareil, il faut savoir comprendre comment ça marche, les processeurs, etc. Là, c'est vraiment que du farm. Donc à 12, imaginez bien qu'il y en a déjà 8 qui sont partis dans l'end, et sur 5000 blocs de circonférence, il n'y avait plus rien. Donc ouais, on recrée un end, parce que c'est pas très grave de recréer un end. En fait, nous, en fait, sur le serveur, tout simplement, on vient chercher le fichier de la DIM 1, c'est la DIM 1, je crois, dimension 1. Oui. Dimension 1, tu le supprimes, ça va en recréer un autre. Donc en fait, ça se fait souvent sur les serveurs, quand on a qu'on trop farmé une zone, enfin en tout cas une dimension, tu la recrées. Tout simplement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez. Toujours pas fini. Ah bah non, mais putain, nom de Dieu. Vas-y, Michel, mets un coup de bourre là. Je sais qu'à 24 000 RF parties, tu en chies, mais quand même. Si je le sors, on recommence. Ouais, je veux bien que je suis pas à 100 millions, mais quand même. De toute façon, on doit aller tuer un dragon là. Donc on en a pas besoin de suite. Ouais, on en a pas besoin de suite. On se TPera à la maison. Alors, t'as un TP dedans déjà, Oliver? J'ai un TP au portail. Ah bah nickel, au portail ça m'intéresse. Ouais, mais ton TP devant, tu peux dedans. Si tu viens de le refaire, tant mieux. Si tu l'as pas refait. Si tu l'as pas refait, fais pas. Si, ça sera exactement le même. Alex, utilise RF Tool pour les dragons. Oui, en gros, tu peux générer un monde. Tu sais, les mondes RF Tool. Ah, ouais, non, laisse-moi tranquille. Mais ça coûte. Alors, je veux bien qu'on le fasse quand on aura le réacteur draconique, si tu veux. Mais donc on n'aura plus besoin. Mais c'est très cher et en énergie. En gros, la dimlette je peux pas. Bichou, je suis celui. Enfin, tu vois, 2 milliards 400 000 de stock. Et là, on est à 3000 parce qu'il pompe de l'autre côté. On a 30 000 RF partiques. Je suis celui qui a le plus petit système électrique. Ah non, peut-être pas. Kiwi, Poppy, ils en ont pas forcément. Mais Oliver, toi, tu produis combien? Tout à l'heure, on a dit 94 000 par là. Ouais, et Oliver, t'es dans les. Je suis plus 150 000, je crois. Oh le con, je l'ai viré avant. Oh là. Non, mais tu l'enlever, il repart pas à zéro ton truc. Mais si.
Ouais, non, il repart pas à zéro. Non, il repart pas à zéro. Toi, tu produis 150 000 RF particles. Dites-vous que même à 150 000 RF particles, cette dimension draconique, elle ne s'ouvre pas. Hein. C'est... Tu tiens pas. Oui, tu l'ouvres, non, tu restes dedans. Tu vas l'ouvrir. Tu restes dedans. Après, tu vas mourir. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors moi, j'ai fait un petit système. Vous voyez, il est plutôt compact, hein, le système électrique. Là, j'ai laissé de la place. J'ai fait voilà. C'est vraiment, c'est assez compact. Je voulais qu'il soit ici parce que ça m'arrange. Et j'ai pas de grosse machine à faire tourner. Même une laser drill tournera. Donc, en plus, si j'ai du stock, vous voyez, parce que laser ici c'est relié directement à mon tesseract qui est ici. Donc il suffit le laser drill, je lui collerai un tesseract et voilà. Donc là, on l'idée quand même d'avoir 2 milliards, c'est pas de dire un concours de quéquettes. C'est que en fait, dès que tu vas faire tourner des grosses machines, tu peux consommer. Si t'as un problème électrique, ta machine ne tourne plus. Donc dans l'idée, ça permet quand même quand t'as du stock cage qui continue à tourner pendant un certain laps de temps, au moins qu'elle ait travaillé. Et ben on est parti. Vas-y, je suis sneaké. J'ai pas emmené de quoi manger, hein, par contre. Ça, c'est un peu la merde. Moi, j'ai 53 pains. Moi. Non, mais moi, je mange pas du pain. Je mange pas du pain. Ah, toi, tu manges du sang, c'est vrai. Oui. J'y vais en premier, tu vas en premier. Vas-y, j'y vais. YOLO! Le serveur, on va récupérer un Niège Dan. Le serveur devrait. Ça devrait aller. Il meurt en boucle, Niège. Ils ont Land. Un peu de mal apparemment. Ok, donc l'end est là, je vais mettre un point. Moi normalement, ici. Si j'avais le bon, je vais le reset, mais normalement. Je vais le set ici moi. C'est exactement le même qu'avant. Ouais, mais. Mais oui, non, mais tu dois pouvoir. Tu peux avoir des emmerdes là-dessus. Add new. Oui, ça, j'ai recréé mon... End. Voilà, comme ça j'en ai un. Ça peut servir. Pourquoi je suis chez Foxin je vais aller chez moi, voilà. Hop là. C'est qui commence à creuser en mode. C'est moi, je protège. Il protège en fait. Et moi je regardais. Voilà, bah, mais qu'une touche comme parce ça, ouais. Si tu veux, moi je. Non, deux. Parce que moi je monte d'un bloc ici. Moi non. Ah oui, c'est les bottes. Et oui, les bottes. Bah ouais, fais-le parce que quand je vais avoir les bottes. Voilà. Oui, tu recules quand t'arrives, boum, tu tombes dans le vide. Et le temps que tu recharges, bah tu seras mort parce que. Toum, 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 toum. Ce qui est bien avec les stuff qui se rechargent comme ça. Alors, vous avez les techniques avec Tomcraft, notamment pour recharger. Il doit être par là, le dragon. Il faut peut-être tuer les... Ah, j'ai mon arc. Ouais, ouais. Normalement, j'ai un arc. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai pas pris d'arc, mais... Il est où, Michel? Ah, il est là. Vas-y, on doit être. Bah, il va pas durer celui-là, il va pas durer longtemps, hein, mais... Oui, il repousse bien. Je vais changer mon speed. Bah, pour l'instant, il va se régène trop vite, donc... Quoique... Je suis en train de péter tous les trucs. Hein. T'as pris de la TNT ou pas? Non, c'est pas ici. Non, on le fera. Quelqu'un. Ça, t'as pas pris les piliers de partie. Non, j'ai rien pris. On va repasser chez moi. Au pire des cas, je vais faire une salle noire chez moi. Hop là, le cœur il est là, regardez. C'est ça le cœur. C'est ce que vous devez récupérer absolument pour pouvoir faire la suite. Donc, un cœur de dragon permettra de faire un rituel. Voilà, ça pète dans la gueule et tout, c'est normal. Il va se charger, il va descendre après. Au passage, on prend quand même l'XP. On reste en dessous, et normalement là, c'est bizarre, il n'y a pas Fox, parce que sinon il y a quelqu'un qui aurait sauté dessus comme ça en mode il serait resté au-dessus de moi. Comme ça. Du grand Mendes. Bisous à Foxine d'ailleurs. Je vais mettre là si tu veux. Dans quel épisode, Alex, que tu expliques ta production d'énergie? Je ne l'ai pas expliqué, je l'ai juste fait, j'avais pas envie de. On a juste fait avec Oliver. Cette saison, je fais tous mes systèmes avec Oliver. Ouais. Vous avez pas de chance, je fais pas de vidéo. Bon, c'est un peu long, hein. Est-ce qu'on peut miner de l'araconium qui a sur lui? Bah moi je dis oui. Je dis oui. Mais t'as fini l'Underman là? Hop. Mais je fais pas des gros trous 3x3, je mine juste les minerais. Ah ouais, d'accord. Parce que moi j'étais oui, il y a encore un œuf du coup. Bah j'étais en train de sortir l'escava. J'étais trop 4 œufs en rab à la baraque. Il est tombé le cœur? Non. Bah si. Non. Je l'ai plus, tu le vois? Il est encore, moi je vois. Ah oui, je l'ai, ok, d'accord, ok, il est là. Voilà, le Dragon Earth qui est là, de Draconic Evolution. Tu mines quoi juste là? Alors je vous montre ce que c'est ça qu'il faut miner. Oui, hop là. Donc ça, de l'améthyste. Non, ça c'est l'améthyste. Elle est où? Améthyste aussi. Tac, voilà, ça c'est du Draconium Or, il faut le miner. Tu sais quoi, je vais faire pareil que toi, je vais en prendre quelques-uns. Alors, le mieux, c'est de le miner soit avec Sealtouch, de le re-miner avec Fortune après. Ouais, c'est ce que je fais. Ou de le miner directement avec Fortune. Alors, fais-le et tu m'en passeras. J'ai pas Sealtouch dessus. Comme ça, tu l'emmènes. En fait, dans l'idée, tu récupères le bloc, tu le reposes chez toi et tu le mines avec Fortune. Oui, pour pas que ça prenne trop de place, moi je le mine avec Sealtouch parce que sinon, ça te remplit l'inventaire en deux. Ouais, c'est ça.
lui m'énerve, voilà. Eh ben vous savez quoi, pendant que vous prenez un peu ça, de toute façon s'il faut, hein, c'est ce que j'ai toujours dit à l'équipe, hein, ce que je disais ce matin en disant juste prévenez hein, quand vous fermez comme des gros porcs dans l'Inde ou quoi, c'est juste qu'on sache, qu'on anticipe en fait. Et de ce fait là, c'est pas un souci, hein, rouvrir une dimension, c'est juste que par exemple Oliver il avait son Under dedans, il a mis... Laser drill, ouais, j'avais 4 laser drill. T'avais mis 4 laser drill dedans, donc c'est juste ça en fait. Et vas-y franchement, fous-moi la paix. Bon la canne après, la canne elle va pas me servir à grand chose. Si je passe sur la sword level 2, ça fait tellement mal. Là elle fait mal ma canne mais... Elle suffit pas à tuer. Hein. Deux coups sur les Enderman. Alors que... Je crois que je les ai un peu énervés. Oui, c'est marrant. Au pire quand vous serez plus là je ferai radier en... en AOE. Bon, tu sais quoi, je vais aller préparer tout ce qu'il faut. Ouais, si vous avez besoin. Tout ça, on t'attend ici. Et... Tu veux le faire ici ou... Bah le dragon, on est obligé. Le dragon, t'es obligé de le faire ici. Ah oui, il faut que tu fasses le... Eh non, le rituel, je voudrais montrer... Oui. Le rituel, tu veux le faire ici? Bah non, le rituel, tu peux le faire dans le... Le rituel du dragon, tu le fais ici, le rituel pour les blocs, tu peux le faire à l'extérieur. Bah tu sais quoi, on va se faire plusieurs dragons, et puis après... On fait déjà le dragon. On fait déjà deux dragons, et comme ça, après on fait le stuff. Comme ça, tu peux faire ton stuff. Yep. Hop. Il juste alors. Peut-être des nether stars. Je crois que j'ai encore deux cœurs en avance pour si quelqu'un a besoin. Par là. Donc, mesdames et messieurs, il va nous falloir noter, prenez vos stylos. Dans un premier temps, il va nous falloir 4 blocs de glowstone. Moi, j'en ai. 1, 2, 3, 4. Non, je commence par le simple. On va faire la resurrection stone après. D'ailleurs, t'as pas les maps. 4 de draconium chargé. Hop là, ici. On les a. Hop, on va mettre ça ici, ça là. Donc 4 blocs de draconium chargé. Donc glowstone, 4 blocs de chargé, je vous expliquais comment on les fait. Pas de souci. 4 blocs de gold. Non, mais non, pourquoi de d'opsy. Opsy puis diams. Donc 4 d'opsy, 1, 2, 3, 4. Puis 4 de diams. Pff, chier, j'ai pas envie là le diams. Je le rembourserai. Non, on s'en fout. Il faut que j'en refasse. Je vais partir à la recherche d'une météore, ça sera plus rentable que dépouiller l'île en fait. Ouais, mais je suis rentré chez moi. Je vais lancer un petit stack de Nether Star. Hop. Ouais, il faut que peut-être. Que donc 4 blocs de diams. Hein ? Ouais, t'inquiète. Des mobs souls. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit d'attaquer par la résurrection parce que je savais que t'aurais pas les mêmes soucis. 1, 2, 3, 4. Les piliers en quartz, j'en avais pour la construction. Ok, maintenant, attaquons-nous à quelque chose de sympathique qui est la Resurrection Stone. Resurrection Stone, elle est là. Alors la Resurrection Stone, mesdames et messieurs, elle se fait avec des mobs souls, n'importe lesquels. Les mobs souls, on y reviendra, mais c'est ce qui permet notamment de faire pop des mobs grâce au spawner draconique. Ultra puissant, vous pouvez l'upgrader tiers 4, 3 ou 4 le maximum, 3. Donc c'est assez fumé, ça pop beaucoup, c'est vachement pratique. Moi pour l'instant je suis à la safari, et selon le mob, tu n'as pas le choix, il y a des mobs que tu n'as pas en safari net, notamment Iron Golem, Il y en a plein. Voilà. Donc tu trouves aussi les mobs souls dans les endroits. Donc ça, il va m'en falloir 4. Il est parti m'en chercher. Ça se farm dans l'end. Non. Où tu vas sur les mobs. Ouais, sur les mobs. Reaper, en fait, c'est avec l'enchantement Reaper. Et c'est avec l'enchantement Reaper, ok. Voilà, Reaper 5 au mieux. Parce alors, que sinon, c'est une chance sur 1000 d'avoir une mob soul. C'est pas énorme. Sur les mobs, donc, Draconium Block, on a. Voilà, ça, on va faire. Hop. 1, 2, 3. Et 4. Ah putain, c'est ok. Et cet enchant, t'as la capable de craft standard. Il m'en faut 4. Il m'en faut combien? 4 comme ça. Donc il va m'en falloir 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ça commence à coûter cher là. Et en diamant, et en gold, et en. Bah, ça, c'est le plus coûteux du craft. Hein. C'est vraiment le resurrection block qui est le plus coûteux. Alors, attention, sur quoi? Sur ça. Ok, donc là il va me falloir Neverstar et les bleus. Hop, il m'en faut 4. 2, 3, 4. Hop là. Putain, je vais être pauvre là. Les mobs souls, tu me les as donnés, c'est ça? Oui, tu les en as. Je les vois pas. Un Wither. Ok, ouais. Je les ai. Ok, je les mets dans le tab de craft. Hop, Neverstar, faudra qu'on en refasse, mais hop là. Et donc, une Resurrection Stone, on l'a. Donc là, pour l'instant, on a la base. Donc là, il y avait les ressources. Je suis pas sûr de pouvoir en faire deux.
Là, il va falloir farmer Mastruc. On a la Resurrection Stone, c'est fait. La Glowstone, 4 blocs, c'est fait. 4 blocs d'Opsy, 4 blocs de chargé, 4 blocs de diamant, 4 blocs de quartz et 4 blocs de... Non, c'est 12 piliers de quartz. Ah bah pilars, d'accord, c'est, blocs, hein. C'est des pilars. Oui, des piliers. Putain, quartz, je me suis planté. pilars, 12. Mais non, mais laisse-moi tranquille. Voilà. Mais non, pas ceux-là. Si, les pilars. 12, on a dit. Hop. Oui. Les pilars, ok. Donc, il va falloir, là, qu'on aille faire le dragon. Donc, on verra pour la partie du cœur après, parce que vous allez voir que c'est rigolo ici, le cœur. On y retourne, dans l'end. Mm-hmm. J'y suis, je ferme les trucs, je vous laisse faire le dragon. Le dragon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de foufou. Hein. Ah, attends, je cherche juste mon TP. Merci. moi, j'aurais fait la pub, peut-être. Juste pour le plaisir. Ah oui, 13h25, on va faire la pub. Putain, déjà, le temps passe vite, mais eh que oui, le temps passe vite. Hein. Qui c'est qui a viré les trucs derrière, là? Quoi? Personne. Ah non, d'accord. Eh les copains! Oui! C'est parce qu'ils sont, dans la zone de spawn. On va taper le dragon? Eh bah, nous on t'attend, oui, tu sais quoi? Ils vont te chercher, je fais la pub, et puis juste après la pub. Putain, dans l'aine, mon sang il descend pas quoi. Ça c'est assez dingue. Ouais, juste derrière l'obsidienne en fait. Bon, il va le faire là. Pendant la pub, Niejdan nous rejoint, on va taper le dragon. Dragon, tu veux taper le dragon? Ouais, le dragon toi-même. Hein. Et on revient juste après une courte page publicitaire de 5 minutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on arrive, à tout de suite! Il est 13h31, vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h en compagnie de Oro, Niejdan et Oliver Statan. Et on va faire pop les dragons. De Draconic. Personne n'est venu me chercher. Hein. Ah bon? Mais t'es où? Oui. Eh ben j'arrive, bouge pas. Non, mais c'est juste que voilà, Oliver maintenant il est vieux, tout ça, il pense plus à nous. Ah ouais, j'ai du mal à me déplacer. Je suis dans ton village. Ouais, attends, bah j'arrive, je suis à côté. Ça va oublier. L'end, il est là. La dimension end. Oh, je te... Ah si. C'est parce qu'en fait, il fait jour, alors moi je vais pas dehors. Sinon après, j'ai... Quel truc? Là, attends, là vite, là. Coucou, salut. Salut, ça va? Il fait jour, ouais, moi je suis un vampire. Allez, sneak un coup. On sneak? Oui, on sneak. Ah, tu t'as le sucé, je crois. Il voulait que tu le suces. Ah oui, bah... Attends, je vais me faire plaisir. Tu quittes pas. D'abord, je réinitialise ma maison. Bah non, mais t'énerve pas direct. Je vais d'abord te transfixe. Voilà, et je vais te manger un peu. Voilà, maintenant tu es vampire. Ouais, non, mais non, oh merde. Donc, c'est normal, t'es transfixe. Attends un peu, c'est juste que je t'endolorie un peu, histoire que tu sentes pas trop mes dents. Je suis sympa. Plutôt que de te faire ça à sec avec du verpillé et du gravier. Regarde pas les Undermen. Oui. Alors, on va le faire où? Le plafond. Ah, c'est joli. Alors attends, faut juste que je me rappelle dans quel ordre et comment. T'as ton bouquin? Ouais, il doit être quelque part. Je connais la base, monsieur. Alors, bouquin, il est là, le bouquin de Draconic. Qui montre comme ça dans le bouquin. Index, c'est quoi tout en bas, je crois? Tout en bas, ouais, dans les... Ritual of Draconic Resurrection, il est là. Donc, au sol. Ok, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me dicter. La résurrection à l'opsy. Donc résurrection au sol. Quelqu'un, okay, il y a un trou ou pas? On va le faire là ici. Résurrection. C'est bon. Alors. Ah, mais j'avais tout préparé. Ah merde. Opsy. Opsy. Ah oui, une de chaque côté. Glowstone. Ok. Voilà, ouais, voilà, en fait, putain, je fais des ponts. Le but c'est que ça s'enterre en fait, Alex. Oui. Eh bah vas-y, il faut des trucs par-dessus. après, je t'écoute. En face de l'obsidienne, tu décales les deux blocs. Attends. Ça y est, il a tout pété. Merci Maurice. Il a décidé qu'on le ferait dans son trou. Vas-y, bravo, bravo. Il est où ton trou? Il est où? Il est où ton trou? Voilà, allez, vas-y, remets dans ton trou. Ok, donc je décale de deux de l'opsy. En face de l'obsidienne, tu laisses deux blocs et tu passes un pilier. Deux blocs piliers de chaque côté. Deux blocs piliers. Chacun face, deux blocs sur pilier. Chaque bloc, tu mettras deux blocs piliers. Un bloc de diamant. Ok, comme ça. Oui. Hop. Et dans les angles, en diagonale de la Glowstone. Ouais. Tu décales de 1, du coup tu laisses 1 de diagonale. Ouais. Et tu mets 2 de haut piliers. Ouais. Et 2 de chargé. Attends, va falloir qu'on danse à 4. Bah vas-y, commence hein. Commence. Invoque le dragon. Pas prêt de venir le truc, hein. Je pense qu'il prend, il a pris un doliprane plutôt. Clique droit sur la. Hop là, et clique droit au milieu. Clique droit, et tu t'éloignes. Oui. Et tu te casses parce qu'il y a la. Waouh! C'est trop
Ouais bah ça m'a coûté très cher, ça peut être beau le son et lumière hein, parce que là c'est pire qu'un billet chez Mickey hein. C'est Jean-Michel Jarre. C'est Johnny qui arrive. Allumez le feu. Salut, c'est Johnny. Ça lag un peu. Ouais. Je suis en train. Pourquoi? Oui, il fallait pas te mettre la neige. Mais quoi? Mais je savais pas moi. Le feu t'arrête. Il est en train de discuter avec le feu en vrai. Hein. Vous vous rendez compte à quel point on en est. Hein. Donc là, ça invoque le dragon. Et avec les deux cœurs, on fera deux fois le rituel pour pouvoir faire le stuff tier 2. Il m'en faudra plus de deux en fait, Oliver. Je t'entends très mal parce qu'il y a l'orage. Mais Deux, t'as tout. Avec l'arme. Toute l'armure. Ah ouais. L'armure et une partie de l'arme. Ouais, une partie seulement. T'as juste le manche. Eh ben le dragon. Eh, tu sais quoi en fait, j'ai l'impression qu'il y a un mec à l'autre bout du fil qui fait ne quittez pas, un dragon va vous répondre. Ta la ta 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 la la ta la la ta 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 la la. Il peut avoir un chapeau? Non. Vous avez demandé un dragon, ne quittez pas. Pa la pa. Il arrive là-haut, Attends, t'approches pas. Où ça? Il est pas en train d'arriver. Ça pète pas. Je le fais niquer? C'est normal. Oh là là. C'est très la merde. Audio-typement parlant, je vous entends très mal. Hein. Allô, vous m'entendez? Voilà, il est là. Et vous voyez qu'il est différent, c'est un dragon draconique. Et... bah il est pas, c'est pas le même. Faut faire quoi avec? Faut le déflinguer, faut le déglinguer. Plus fort que celui de base. Ah, je vais faire défoncer. Ouah, plus fort vite fait. T'as de quoi péter les... C'est sans cours. Ok. Et quoi? Défonce quoi? Parce que j'ai pas pris d'arc. On tire avec un arc sur les healers en fait. Là ça donne le vomi quand on regarde Alex. Hein. Ah bah moi je fais la chasse au dragon Michel. Il hein. Est mort. Château fort. Aïe. Non mais tu m'as tiré dessus. Si quelqu'un veut vous voir, je prends tout votre stuff. Hein. Ah non, allez. Mais je crois que vu ton armure, tu risques de mourir avant nous, hein, Maurice. Voilà, le cœur est juste ici, comme d'hab, on attend le cœur et ça fera le deuxième cœur. Donc à chaque fois que vous voudrez faire votre stuff, il faudra au moins deux cœurs, voire trois, pour faire un stuff perso draconique en entier. Bah il t'en faut trois. Le staff et tout, toutes les armes. Ouais, toutes les armes, ça commence à être plus compliqué. C'est trop beau. Bah si tu veux la super staff, ouais, dans l'idée, oui. C'était joli, hein. Oui. C'est fut court mais intense, t'as l'impression d'avoir fini Space Mountain. Ça repart quand? Pourrais pas m'offrir un deuxième? Un truc qui est très con, tu viens en avoir après. C'est quoi? Dès que vu qu'on a pas récupéré le premier œuf. Ouais. Il se sent empilé. Il y en a deux, il s'empile. Il s'empile au fur et à mesure. Eh, tu sais quoi? On fait une montagne, on la récupère pas. Tu sais quoi en fait? J'ai trouvé une technique. Si t'es un crevard et que tu veux pas farmer les compos pour faire apparaître le dragon, tu vires ta dimension under toutes les 10 secondes. Tu vires, tu reviens. Même en local, hein. Tu vires, tu reviens. Parce que vous avez les fichiers. Plus hein. Le crevard. Tu te mets en mode admin, tu te dis blake. Ouais, mais là. Dans l'idée, c'est un peu le même truc que tu fais toi. Que tu es le dragon, c'est pas par la difficulté du truc. Ouais, c'est ça. Salut. Eh, moi aussi j'ai un cœur. Mon cœur, bah pour toi, on dirait une carte de la Saint-Valentin vue comme ça. Moi aussi j'ai une carte ça. Pour toi. Je t'invite Alex. Oliver, on va au restaurant et... C'est passé mais tant pis. Allez, donc on a les deux cœurs, on fait quoi? Est-ce qu'on... On fait le rituel? Bah tu voulais faire le rituel, on peut aller le Allez, faire on fait le rituel pour voir si on peut commencer à augmenter. De la transformation. On minera le... Vous inquiétez pas pour... On va le faire où du coup? T'as pas une salle noire sécurisée, un truc comme ça? Ah non, j'ai pas de salle pour moi, je suis à l'extérieur. Ah, viens voir à la maison, on va voir. Ouais, c'est des par terre, ouais. La forêt, ça ouais. C'est une TNT, hein, c'est une TNT, on s'en fout. Alors. Neige. Attends, parce qu'il faut pas oublier Nejdan. Ah merde, on a encore oublié Nejdan, ouais, c'est vrai qu'il peut pas se TP. Alors attends, je vais juste préparer ce qu'il faut. Donc il va nous falloir le cœur de la maison, 4 chargettes draconium. Putain, ça commence à coûter cher. Hein. Des draconic corps. Vous allez me traiter de. Oui. Quand le boss il est tombé par terre, il y avait plein de trucs. Alors il a tout ramassé. Oui, du draconium dust. Ouais, draconium dust et. Ah non, mais t'as eu raison, ça t'en fait un petit peu. 16 draconic corps, t'es sérieux? Ah, l'XP, tu veux dire? Oh, mais l'XP, c'est pas grave. Ah, mais draconic aussi. Ouais, mais draconic, c'est pas grave.
T'en fais un petit peu, t'avais jamais été dans l'âne. Non, putain. Comme ça je pourrais aller faire le TP. Je vais devenir pauvre. Hein. 16 draconic corps, putain. Donc j'ai le cœur, les 16 draconic corps, les 4 chargés, il va nous manquer de la TNT. Or. TNT. Je n'en ai plus. Ah, c'est ça que je veux. T'as besoin de quoi? T'en as jamais eu, je crois. Non, non. Alex, il est amoureux de NEI en fait. Eh, hey, j'ai pas de sable. Il connaît pas. T'as pas toujours. Ouais, moi c'est toujours comme ça. T'as pas toujours tes 1000 sables sur toi? Chez nous? Ah bah non, ça bouge pas, il fait l'aller-retour. Allez, va chercher. T'as vu, j'ai fait un sol en vert. Mais ouais. Mais c'est un petit vieux psychédélique, ça. Ouais, c'est mon électricité, ça. J'ai HP l'EDF. À moi de vous faire préférer le gaz. Et c'est quoi, ça? Oui, change le titre du live. Mais je l'ai déjà changé, les gars. Il est changé 20 fois. Ça veut pas se mettre à jour depuis hier soir. On fait mettre à jour, c'est ça veut cassé, pas. C'est tout pété, Twitch. Ça fait 2 mois que Twitch, ils ont des soucis. Ça fait 2 mois que c'est en PLS. Non, mais moi, je cherche pas les crafts les plus simples. Des fois, je les connais pas. Hein. Toi, Ney, c'est mon ami. Hein. Chez moi, tu lags. Oui, Ney, il le met en vanilla, Alex. Hein, quand il joue en vanilla, il met à Ney. C'est du sable sponsorisé par Pika. Ouais, ouais, en vrai. Non, c'est le mien, ça. Il tient ça. Ok. Ouais. Une échelle. Oui. Je me souviens du craft des échelles d'Alex. Quoi. Oh, mec, c'est pour ça que je fais des échelles en bloc, moi. Tu sais, comme ça, au moins, tranquille. C'est bon, t'as fini? C'est bon, t'en as assez? Ouais. Une TNT, ça suffit. Hein. Oui. Ça sert à quoi, ça? Faut une torche de redstone aussi. Hein. Ça sert à quoi, ça? Rien, c'est un shader, en fait. Ah, c'est cadeau. Je jetterai. Donc, j'ai tout. On peut y aller. Vous? Là, selon où je suis, c'est vrai que ça. En fait, c'est peut-être les 3 RF tools qui commencent à laguer un peu. Ah ouais, non, un peu, ouais. Un peu, il a passé de prendre un truc. Je pense les 3 RF tools, ils aiment pas trop. Je vais lancer quoi ici? Ouais, ça tique un peu. Bon. Il y a tout qui tique. De toute façon, il y a tout qui tique. On va le faire où? Oh, c'est bon, on a. Prends une zone en extérieur, tu me dis quand tu y es. Et je te rejoins. Mais sous un arbre, si possible. Ouais, sous un arbre, que je puisse être à l'abri du soleil, ça m'arrangerait. Pas sous un. Ah oui. Bah, je suis vampire, écoute. Ouais, mais sauf que l'explosion et tout, ça va peut-être pas. Grave, ça explose l'arbre. Ton sort pour la nuit. Ah, mais non. Mais non, parce que mes vampires, ils marchent pas. Je me suis fait niquer et c'est pas pour autant que je vais trouver une solution. Est-ce que nous, en n'étant pas vampire, si on dort dans tes cercueils, ça compte? Tu peux dormir dedans, ce sera juste ton point de spawn. Ouais, mais est-ce que ça compte pour passer le jour? Non. Et dans ce cas-là, non, parce que vous pouvez dormir la nuit dans mes cercueils et moi je peux dormir que le jour. Attends, je vais essayer. Il y a un cercueil dispo. Oh, Alex! Ah, bah, il y en a plein, oui? Au-dessus de ta truc là? Ouais. La statue de chevalier là? Ouais. Quelle est ton faute ça? DecoCraft. Ok, bah ça, je vais faire ça. On peut dormir que la nuit, non? Bah, sinon, t'as un rituel, la champière et tout. Ouais, mais j'ai lâché. Allez, c'est parti. Mais toi dans ton église, c'est à l'abri. Ouais, hop là. On a dit quoi? C'est à Champierre. Champierre et une dust, je sais pas quoi. Hop. 3, est-ce que j'ai des sticks? Je dois avoir des sticks là-dedans. À Champierre, et c'est une ou de Nash. Ok, je dois en avoir aussi. Et toi, les mains vides, Niashdan? Ici, ah merde. Clic droit sur le bas. C'est une hache ou une ou de hache, je sais jamais. Je sais jamais. Normalement, c'est ça. Et c'est pas ça. C'est un quick climb. Ok, c'est bon. Je fais le rituel en speed. Et puis, comme ça, il fera nuit. Je pourrais sortir. Je vais cramer un peu au soleil. Je serai obligé de sucer Nijdan. Comment hop. On descend? Clic. Merci. Attention! Taou. Alex, voilà. Tu connais, il y a Fox qui est en train de gueuler, mais ça va, gueule pas, Fox. Bonjour, Foxine. Il est pas là, il est même pas là en vocal. Vu qu'il est pas vampire, attends, j'en profite. Hey, ouvrez-moi. Tante-le, dis-lui qu'il est plus vampire. Et ouvrez-moi. Je peux pas le transfix, hein. Il s'est fait toutes les barrières de protection contre moi. Ah non, c'est bon. Alors, je prépare une zone, hein. Ouais. Alex. Je peux pas le boire, je sais pas ce qu'il a foutu, je peux pas le boire. Je sais, comment porte. Il peut faire ça? Tu peux sortir. Comment il peut faire ça? T'es où? Il a juste masqué son armure en fait, il a lié la. Je suis là, mais je peux pas ouvrir la porte moi. Voilà. Alors je suis. Bah tu vois où je suis. C'est bon, Olivier, on est là. Il a préparé quelque chose. Je sais pas ce qu'il a mis, Fox. Pourquoi t'as mis ça, Olivier? Parce que ça va. Pourquoi péter. Que ça explose? Il va mettre de la TNT en plein centre. Ouais, j'ai pas, j'ai un peu faim. Quoi?
Bois ça. Ah, il t'apporte quelque chose, Foxy. C'est sur la connerie, hein. Qu'est-ce que c'est? T'as dit bois ça. Bro, freezing. Moi, je suis... Rising, pour grossir. What the fuck? Oh. What? What? Mais je suis immense. Mais je suis immense, salut Fox. Les gars, j'ai du mal à poser des blocs. La 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 la. Je peux, à la cam, je vois même pas mon perso en entier. Salut, chambre mortelle. Je suis... Ouais. Par contre... Ouais, ça dure 20 secondes. Ah oui, je suis plus... Ouais, je pourrais c'est faire rigolo. Que ça dure plus longtemps. Oui, c'est les potions. Pourquoi je peux plus te boire? Il y a plein d'effets. Pourquoi tu peux pas me boire? Je peux pas te boire. Si. Ah si, mais t'as toujours ton armure, elle est cachée. Bah, ça, j'ai mal à chaque fois. Non, j'ai pas d'armure. Donc on fait quoi? Bah là t'as mis quoi comme sort? Je prends des dégâts à chaque fois que je te bois. Bah j'ai... Je sais rien, j'ai Fire Resistance, j'ai un effet, c'est Queasy. Il m'a tapé. Squeezie? Non, Queasy. Je sais pas ce que c'est. Eh! J'ai soif. Qu'est-ce que tu fais? J'ai soif, je t'ai dit. Eh, sinon tu fais gaffe parce que regarde ce que j'ai. Regarde ça. C'est quoi? C'est une canne. Ton pénis? Oui, c'est une canne pénis. Donc, alors, donc il va falloir... Tout ça, mais... Donc, la TNT en dessous ou à côté? Je sais jamais. À côté, du moment que c'est dans le rayon de... Okay. Toi, la TNT au centre? Bah, il pose le cœur d'abord. Okay. Non, je vais le poser après, en fait. TNT, c'est quoi? Ok. Le cœur à côté et une torche de reste à côté de la TNT. Ok, hop. Carte à vous! Et là, tu vas direct poser tes blocs en dessous. Ouais. Ouais. Voilà, là tu poses tes blocs autour du cœur, hein, par terre. Ok, voilà. Et je jette les 16... Attends, il est pas encore en aspiration. Là il aspire, vas-y jette. Jette les 16 d'un coup, hein. Ouais. Hop là, tac, et là il va les infuser pour pouvoir récupérer du Jean-Michel. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Là, en fait on infuse les blocs, tu vois les blocs. Faire des blocs orange. Ils sont infusés, tu vas voir, ils vont changer de couleur en fait. Ils vont devenir orange. Quoi, j'ai envoyé des trucs qui coûtent cher. Des draconiques corps en fait. Non. C'est 4 maximum. On dirait c'est ouais, c'est 4 maxi, tu peux pas faire plus, donc ça fait c'est cher. C'est leur move. Voilà. Hop là. Et ça, tu as la pioche classique. Hein. Oui. Merci, c'était gentil, hein. Je les prends. Ça va peut-être mettre un peu de temps. Non, ça va. Hop, et voilà. Et donc là, j'en ai 4 des Zawakned Draconium Block qu'on va transformer en lingots pour pouvoir faire notre stuff. Ah oui, on a 2 cœurs, mais j'ai préparé que un rituel. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je laisse la plateforme. Alors attends, d'ici, je peux peut-être aller chercher ce qui me manque d'ici. Oui, c'était juste au-dessus. Par contre, je peux pas craft, c'est ça qui va m'embêter, parce que l'opsy, on en a pas besoin. Si, on a besoin d'opsy. Ah non, on a pas besoin d'opsy, là. Arrête. On a besoin de... Juste les corps. Foxine, il fait des choses bizarres, les gars. Non, et des chargés, j'ai pas de chargé, là. J'ai pas de chargé sur moi, faut qu'on descende. Oui. T'as une protubérance? What? C'est un bloc. Alors, en fait, on peut bien poser les giant blocks, faut que ça essaye. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est par rapport à la distance, par rapport à toi, en fait. Parce que moi, j'essaye de les poser juste c'est devant. Pas que j'ai pas ouais, du coup, je suis en enluminé plein. TNT. On va refaire une TNT. On pourra même en faire plusieurs. Et du coup, tiens. Si tu poses un giant obsidienne, personne peut la miner. C'est ça. S'il a pas la pioche. Il a pas la pioche. Alors, TNT, c'est bon. Ouais, s'il te plaît. Torche de redstone, on va en récupérer une. Hop, et c'est les cœurs là, putain, les drags. C'est ce que je pensais d'ailleurs, enfermer quelqu'un dans des blocs de giant obsidian. Il a l'air con après. Hein. Ah bah oui, il peut pas la miner. Il peut pas la miner avec. Il peut la miner qu'avec la pioche géante. Il peut avoir ce qu'il veut. Ok, j'ai un souci, j'ai plus de draconium ingot. Ouais. J'ai des blocs. Je vais transformer des blocs en. Hop là. Hop. À un moment donné, de toute façon, 7, 8, 9, 10. On va remettre un stack de Netherstar. 16. Allez, j'en ai 16. Putain, ça commence à me coûter cher. On va faire le deuxième rituel. Ah non, attends, faut que je charge des Draconium Blocks, justement. Ah, la blague. Il me faut 4 chargés. Donc, Draconium, Draco, hop. Il va me falloir 4 blocs. Est-ce que j'ai assez? Ouf, pile poil. Enfin, pile poil. Il est où? Oh, il est beau. 4. Voilà, oui, hop. Tu fais très mal, fais gaffe. Non, ouais, alors il va falloir que j'aille farmer du draconium après, hein. Je te le dis tout de suite. Hop là, on va charger les 4 d'un coup. Bah la poudre, là, t'en as besoin, Alex? Ça sert toujours, mais faut le farmer de toute façon. C'est pas avec les peu que t'as récupéré que... 43. Hop, 3 et un dernier, c'est pour ça que tu te fais du stockage.
d'énergie. Hop, parce que là, je consomme 2 milliards à la seconde. Tout va bien. Donc, hop, ça, on va le prendre après. On va avoir besoin de la TNT. Le cœur de la maison chez la cuisine. C'est toi qui as le cœur, au passage, Michel ? Oui, oui, oui. Michel ? Je peux ressortir par là, vous étiez juste ici. C'est le jour, jour hein. Fais gaffe. Fais chier, là. Et comme... Il a été chercher une champière. Bah non, je peux la faire, mais... Putain, faut que je repasse par mes couloirs. Je vais passer par mes couloirs, je vais le faire en speed. Mais je resterai vampire, juste pour le principe. Même si c'est chiant le jour, mais... je l'ai fait, je le reste. Tu peux le désactiver quand tu veux, ça, ou ouais, faire un truc. C'est un sort, c'est un rituel à faire. Ok, c'est cool. Pour t'enlever ton vampirisme. Donc on a dit qu'il me fallait quoi ? Une hache en pierre, donc de la cobble. Ah, t'as ce qu'il faut ? Non ? Non, j'ai juste 1, 2, 3, hop, stick. Hop, 1, 2, tac, merci. Il y a des gens qui font des cours de maths dans le chat, on peut les kick, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ils font des cours de maths par rapport à quoi ? Est-ce que tu comptes à chaque fois une fois 16, ça, ça, c'est... Je sais pas, ils font des suites, alors je sais pas, ça me saoule les suites. Bah, je te soleil comme ça ? Oh, je peux rester, je crois que j'ai calculé, je peux rester à peu près une minute. Sans crever. Hop là, la nuit, magnifique. Hop, et on y retourne. Oliver, t'es de retour ou pas ? Oui, oui, je suis là, j'attends. Magnifique, hop, alors... la TNT et ça. Hop. T'en vas sauter. Hop, on va l'activer. Choum ! Tac. On met les blocs. 2, 3 et 4. On attend que ça aspire. Et on jette les Draconic Core. Les blocs n'importe quoi, ou comme ça ? Non, non, tu mets... Tant qu'ils sont à côté, il faut que ce soit dans la zone. Hop là, là ça aspire. On envoie les Draconic Core. Ça, ça coûte cher. Ça commence à me coûter très cher. Ça se fait pas en 2-2 en toute façon, c'est comme ça. Et on va récupérer 4 autres à Wakhead et on va pouvoir aller faire une partie du stuff pour vous le montrer. Ce qui est bien. Alors, tu peux tout faire. Hein. Ouais, et c'est l'arme. Si, il va falloir qu'on refasse sûrement un rituel pour l'arme. Non, l'arme, en gros, je pense qu'il va nous en falloir deux chacun des cœurs oraux si tu veux faire ta tenue. L'arme, tu pourras la faire aussi. Ouais, alors, avec les deux. Oui, oui, oui. Oui. Il va peut-être me manquer du draconium par contre. Peut-être falloir qu'on aille farmer du draco parce que. J'arrive, je rentre là. Je finis juste ma météore. Puis on va essayer de trouver des météores, hein, c'est pas un souci. Et donc on va continuer à farmer parce qu'il nous faudra tout le stuff pour tout le monde. Et à partir de là, on ira faire lundi le Jean-Maurice, chef des méchants. Donc maintenant, direction maison. Hop là, même si je suis au-dessus, je m'en fous, je TP. Hop là, et on va aller faire les armures. Alors les armures, on va enlever la mienne au passage. Hop, hop, hop. Voilà, on va la recharger. Comme ça, ça sera tout chargé. On a chargé. Ah putain, faut que j'enlève tous mes livres. Ah bah alors là, par contre, bonne journée. Oh. Il va me falloir un coffre. Attends, je fais un coffre. Parce que j'ai peut-être un peu blindé. Ah bah j'ai blindé. Est-ce que j'ai des chests, moi ? Oui, j'en ai encore. Il y en a, il est pas content. Oui, c'est probable. je vais mettre des chests ici. Tac. Tac. Pourquoi j'avance pas ? Ah oui, c'est que j'ai plus mon armure. J'avance pas aussi vite. Donc, c'est parti. 7. Et on va commencer tout le truc. Alors, sur mon arme. Tac. Tac, tac. Tu veux pas les virer en shift en plus. Que du bonheur. Hop et hop. Donc ça, c'est mon arme. Maintenant, faut que je fasse pareil avec toi. Oh putain. Non, mais laisse-moi tranquille. Bonjour, j'ai pas trop de bouquins d'enchant. Po. Je me suis fait plaisir, donc... Ah, j'ai rien. Bah non, je viens de la faire, celle-là. Hop, hop. Par contre, c'est chiant, c'est que tu peux pas les shift. Ah si, tu peux. Non, tu peux pas tous les virer d'un coup. Putain, ça c'est chiant. Hop. Et ça fonctionne comme ça en fait, hein, sur le Draconic. Hein. Vous bindez une touche. Non, c'est pas celui-là. Vous bindez une touche et puis après vous les rajoutez directement en fait. C'est pas, c'est-à-dire que vous pouvez changer les enchantements quand vous le voulez en fait. D'où l'intérêt de l'arme aussi, parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez quand vous voulez. Vous pouvez changer de en attaque, en farm, en normalement j'ai tout, pas trop de livres, tout va bien. Avec l'Enchanter de toute façon c'est assez easy d'avoir ce que tu veux, hop 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 et hop, voilà on est bon. Normalement j'ai plus rien, si dans mon arme peut-être, non mon arme c'est bon, non ça me paraît bon. Ok, donc mesdames et messieurs nous allons faire, putain j'avance doucement maintenant, oh là là, ça me manque.
Ah, tu te traînes, hein. Ah bah putain, ouais, t'as l'impression que... Ah ouais, t'as l'impression que la vie, c'est difficile maintenant. J'ai l'impression d'être un papy. Alors, donc... Comment il y va ? Exactement. Alors, on va commencer, Draconic. donc, on va commencer par le casque. Allez, helmet. Donc, il va nous falloir les Awaken Draconium. Il va nous falloir l'Awaken Core, le classique et Draconic Energy Core. Alors, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de faire le calcul pour faire des crafts d'un coup ? Tout d'un coup. Tu calcules combien de fois de trucs de corps ? Alors, déjà, je vais passer tous mes blocs de Draconium en lingots. On est bien d'accord ? J'ai plus besoin de blocs. Hop, c'est parti. Donc ça m'en fait un stack plus 8. On met tout dedans. Donc, calculons combien il faut de Awaken Core. Des corps, il va m'en falloir un comme ça. Alors, attends. Donc des corps. Awaken Core, il va t'en falloir 6. 5. 2, 3, 4 et 5. Alors on va commencer par ça. On va commencer par faire ça. 5. Tu es pas sérieux. Donc il me faut des Wyvern Core. Des Wyvern Core qui demandent des Draconic Core. Des Draconic Core. Voilà, j'en fais 11 et j'en ai plus. J'ai plus de Draconium, ça commence bien. Hop. Est-ce que vous voulez mon aide en Draconium ? Eh bah écoutez, je vous dis pas non. Attends, j'arrive. Je mets juste un TP pour revenir à la météore après. Ça. Ah bah non, ça vient de pop dans mon inventaire, écoutez. Ouais, mais il va t'en falloir encore. Ouais, ouais, il y a Oliver qui est derrière moi. Donc attends, il m'en faut... Attends, putain, je suis perdu. Le problème, c'est quand t'as du multicraft comme ça, moi je suis perdu. Non, pas le chaotique. Il me faut le Wyvern Core. On dit le Wyvern, hein ? Non, l'Awaken. Donc l'Awaken, il me faut 4 Wyvern. Donc on dit qu'il nous fallait 5 Awaken. Donc il me faut 5 x 4, 20 Wyvern. Il me faut 20 Wyvern. Pour 20 Wyvern, il me faut 4. 4 x 20 ? 80. 80. Donc il me faut 80 Draconic Core. Je t'avais dit 80 lingots et c'est 8 blocs au total. La pièce. Donc on est à 11. J'ai plus d'or. Mais non, mais Michel, j'ai pas de laser drill, donc moi je me traîne le cul. T'as plus d'or ? Tu veux de l'or ? Non, mais de l'or, j'en avais où de l'or ? Bah, dans ta banque. Non, mais je pouvais créer de l'or. Comment je faisais ça ? J'arrive. Attends, comment je faisais ça ? Putain, en plus je me traîne. Ramène. Fais tes courses, Alex. Fais ta liste que j'arrête de faire des voyages. Hein. L'épicerie elle est pas ouverte toute la journée. Alors j'avoue dit la liste. Alex. Il est où, Alex ? Il est où ? Il m'en faut. Allez-y, hein. Neverstar, diamant, gold, faites-vous Never plaisir. Star, c'est bon, Neverstar, t'inquiète. Le gold c'est bon aussi. Attends, je me traîne là. Oh putain. Oh putain. T'as un four chez toi, Alex ? Oh putain, ouais, ils sont là sur la gauche. Oh putain. Oh putain. Salut Michel, ça va ? Non mais moi en fait j'ai fait beaucoup de magie, donc je suis un peu à la bourre sur la partie et j'ai tout foutu entre le ME, le machin, le bidule, j'en ai foutu partout. Bon, donc voilà, merci, non mais c'est... merci. Bon ça va être objectif, je pense très rapidement une laser drill. J'annonce, je pense qu'il n'y aura pas trop le choix là. Laser drill et... La dust. Je t'ai mis un peu de draconium au milieu du sable. Ah bah attends, si tu veux je la mine. Non mais ça je vais la miner. Ouais, parce que 12, on a dit 80, hein. C'est parti. Je vais être full si ça peut. Si j'ai pas... Je te donne ça comme ça tu lui feras. Allez, on est à 50, hein. Allez, on est à 59. Il n'y a plus la draconium. Je vais vous aider, hein! Mais t'es fou, ils avancent pas. Attends, je vais le cœur chez moi. Mais fou, ils avancent pas, ça y est. Mon matériel. Monsieur, mon matériel fonctionne très bien. Il fonctionne très bien. Ils sont où les. Oui, je n'ai pas mis de. J'ai pas mis l'upgrade. J'ai pas mis l'upgrade dedans. Excusez-moi, monsieur Oliver. J'ai pas fait l'upgrade parce que j'ai préféré faire de la magie. J'étais là. Mais c'est vrai que la magie ne fait pas tout. Wingardo Leviosa, c'est bien. Mais Wingardo Leviosa qui permet d'avoir du diamant, c'est mieux, tu vois. Il va lui manquer du diams, ou probable. Non, il va lui manquer de tout. Ah ouais. Ah oui, il me reste 2 diams, donc oui, il va. Non, mais Oliver, il a des laser drills qui tournent H24, donc il a de l'avance sur. Pardon, pas H24. H12, H12, H12 24.
Le plus farm, c'est pas... farm qu'on ait fait en fait, c'est les... C'est pas les comme si j'avais encore 1072 blocs de diamants, mais en fortune. Ah, ça dit sur le chat, attention Alex, c'est son anniversaire, il doit se faire plaisir, s'il est derrière toi, fais gaffe à toi. Mais non, il est pas comme ça, il est pas comme ça. Non, je préviens d'abord. Disparition. C'est quand il a bu. Réapparition. Magie. Regarde Nejdan, je suis un magicien. Quoi? Disparition. Réapparition. Disparition. Réapparition. Non mais là, je suis sûr qu'elle était sur son élévateur. Mais merde, quoi, on en fait quoi de dit. J'avance trop doucement en fait, ouais. Je galère. Par contre, je lui fais très mal, mais j'ai. J'avance doucement. Bah ouais, j'ai plus mon. Ah, mais quand même, tu... Mais t'étais pas vampire, genre. Si, si, il faut que j'active maintenant. Un scooter hyper. Bam, bam. Bah, bah là, je crois que je suis un poids lourd. Attends, je vais t'amener une première fournée. Non, pas d'isou. Quand je vais t'attraper. On descend. Hop, sous le chandelier. Première fournée. Ah, on arrive, Alex, on arrive. T'appelle. Ouais, j'y vais, j'y vais. Putain, j'ai pas mon armure, putain. Mais je suis trop Alex, lent. Je n'en plus pas son armure. Dépêche-toi, ça va dépop. Hein. Ça va dépop. Hein. Merde, Niage attends. Il a pas d'armure. Hein. Si, si, il a une armure. Oui, mais là, l'armure, ça lui booste pas sa vitesse. Si, j'ai speed sur juste mon pantalon. Il y a plein de trucs d'arriver chez moi, c'est vachement bien ça. Ah, t'as vu. Face commande et tout, ça arrive. Tout ça, tout ça, eh, c'est mieux que la redoute. Non, la redoute, il y a de la neige. J'en suis. J'en ai marre de toi. Je voulais te le dire. J'en ai marre de toi. Si, 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 j'en ai marre de lui. 60, allez, plus que 20 et. Et on va pouvoir passer à l'étape du dessus. Putain, mais pareil. Il va pas s'en sortir, vous le déconcentrez. Je me tarde. Putain, je suis pas assez rapide, j'en ai marre, il faut mon armure. Non. Donc. Coucou. Non mais tu triches. Ah non, je triche pas. Ah ouais, non, pas trop, pas trop, t'as deuxième fournée. Ah ouais, non, putain, là, si je te remets un coup, je te tue. Bah oui. Pardon, monsieur, je faisais le guignolo avec mon collègue. Je... Tiens, excusez. Il y a le responsable qui arrive. Putain, il y a le responsable, il arrive et tout. Tu vois, bon. Ton anniversaire. Alors, 80. Non, mais moi, je t'écoute, c'est ton anniversaire. Hein. Donc, on en est où? Je vais faire quoi après? Awaken. Awaken. Awaken, je fais les wyverns. Bah, c'est toi qui rack, c'est bien connu. Combien on a dit? 20? 20 Awaken, on a dit. Oh, putain. Awaken. Oh, putain. Ça part tellement vite. Et maintenant, il faut faire des Awaken Core. Donc, il m'en faut 5, on a dit. Hein. Oui, non, mais t'as pas fini parce qu'il te faut encore 5. Il me faut 5 Awaken, hein, corps. Oui, il te faut encore 5 Wyvern aussi. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 Awaken corps. Déjà, attends, déjà. Tu te laisses le faire déjà, dans déjà. 5 Awaken corps, c'est bon. T'énerve maintenant, pas. Il te faut... T'énerve pas, je te dis. Maintenant, il nous faut des Draconic Energy corps. Allez, bonne soirée, au revoir, à bientôt. Je me suis marré, je me suis rendu à la foutre. Tu fais 4 fois 5, 25. Jusqu'à quelle heure? 26, 27, est-ce que t'as 28. Prévenu, Ken, t'en faut 30. Il n'aurait pas la TV cet après-midi. Il faut 30 draconiques. Il en faut. Est-ce que t'as prévenu Ken qu'il n'aurait pas la TV du coup cet après-midi? Wayen, j'aurais voulu que tu sois Wayen. Je comprends pourquoi Alex il veut plus que je vienne en live avec lui. Non, c'est pas ça là qui me tue, là c'est le craft. Hein. Alors, donc j'en étais où? Non, parce que. Bon. Quand on regarde la webcam, on te sent désespéré en fait. C'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. T'as fait les 30 Draconic Core? Ah non, non, non. Non, non, bah je vais commencer par les Wyvern Energy Core là, tranquillou. Donc oui, les Wyvern, il m'en faut. Quoi? Des Draconic Core d'abord. Ouais, ouais, ouais. Je les fais là. C'est parti. Et encore, t'as un système ME, hein. Imagine, tu fais ça sans ME. J'ai été puni, en vrai. Une fois que t'as fait tes 30 Draconic Core, il te faut 5 Wyvern Core. Bien sûr. C'est un peu long ce que tu fais, Alex.
5 wyvernes, pourquoi 5 ah, 5 wyvernes corps. Non, il n'en faut pas 5. 5 wyvernes corps. Écoute Oliver, je pense. Oh là, je me suis peut-être trompé de. Et après, non, je déconne. 25 wyvernes énergie corps. Ça va, je suis dessus, je suis dessus. Donc je fais 5, 25 wyvernes énergie corps. Et ok, tout va bien. Et 5 wyvernes corps. J'ai fait les. Ok, ah, très bien. J'ai eu marre de rire. Donc à partir de ce moment-là. Attends, attends. Va pas plus vite que la musique, j'ai un petit souci, j'ai pu en faire que 10. Ah non, mais la musique est continue, elle est en avance déjà. Oh, mais YMCA. Il me manque des draconic corps. Bah non, si t'en as fait 30, il t'en manque pas. Non, t'en faut 12. J'en ai fait. Attends. Combien j'en ai né comme ça? Reprenons le PMU, combien j'en ai? Wyvern. Enfin, un café. Hein. Wyvern, j'en ai 5. Et j'ai 10 Wyvern Energy Core. Ah, donc t'avais pas fait les 30. D'accord. Donc il faut que je refasse. Wyvern Energy Core, oui. Il t'en faut. Maman, non, papa, ça va. 20. Wyvern Energy Core, il m'en faut 20. Pour cela, il me faut des Draconic Core. Donc je refais des Draco Core. Bah, si t'en avais 10, il te faut 10 Draco Core. 10 Draco Core. Je suis sûr d'en avoir fait 20, moi, mais. Bah, il en valait 30 à la base. Hein. Si t'en avais fait 20, c'est que t'en manquais 10. Et bah donc voilà, tout a une explication, Maurice. En avoir fait 20. Bah oui, Wyvern. Donc des Wyvern, il en faut combien, t'as dit 10 de plus. Au total, il t'en faut 20. Ok, j'en ai 18, tu paniques pas. Je sens que tu vas paniquer, j'en ai 18. Je travaille actuellement sur une résolution du problème. Moi, personnellement, je me lance pas là-dessus parce que je veux pas. Perdre son emploi aujourd'hui. Teddy Niazan, pourrais-tu chanter grand champion du groupe Les Trois Accords? Ouais. Je n'ai plus de redstone, mais je gère. Est-ce que tu veux de la redstone? Non, je... Attends, tiens, Alex. Oui. Ramène tes disquettes direct. T'as besoin de ça. Hein. Hey, c'est pas con, ça. Ramène tes disquettes. Non. Qu'est-ce qu'il m'a donné, l'autre? Ah, c'est sympa. La merde. Merci. Non. C'était... Je prends. Non, mais pourquoi il me donne toute sa merde? Mais je m'en fous, ta King's Light Dag. Nous, on a l'impression qu'il me nourrit, je suis aux autres, il me regarde faire des trucs. Je parle encore de XCOM, je crois que XCOM. Il y a un mec, il fait pour le meilleur poisson d'avril, tu peux passer le live en mode expert. Ah, mais il n'y a pas besoin du mode expert avec Alex, c'est ça qui vient, justement. Ah, mais moi, comme ça, je m'amuse plus longtemps. Quelqu'un aurait. C'est quoi le mode expert, au hasard sur lui, quelqu'un aurait juste un bloc de redstone, juste un. Parce que en fait, j'explique. J'avais vraiment masse redstone et je les ai tous mis là où on faisait l'énergie à la base. Parce que je sais pas qui c'est qui a pris les blocs, tu sais les. Non. Mec, c'est un vieux clochard. Mec, il a juste une putain de baguette. Mais tu fais quoi avec? Je fais des sorts. Tu fais quoi comme sort? J'ai vu récemment une vidéo, je sais plus dans quel pays c'est. Un mec qui fait la quête, tu sais, au feu rouge. Oui. Et la dame cherche dans son portefeuille, elle a pas d'espèce, rien du tout. Et du coup, il sort le TPE. Le mendiant, il sort la machine à carte bleue. Il sort la machine à carte bleue. C'est Alex. Donc on est sur les Awakened Wyvern Core. Donc là, il faut que j'en fasse 5 des Draconic Energy Core. Exactement. J'en ai donc 5. Voilà. Très bien. Maintenant, je décide que je ne veux plus faire le dire 2. Non mais en fait, c'est bon, non mais franchement, c'est quoi ce week-end? Ce week-end, je te dis tout de suite ce que je fais. C'est quoi? Je te dis tout de suite ce que je fais. Ce week-end, comme un clochard, je fais une laser drill, une laser drill. Ouais, c'est fumé l'armure draconique et tout. Mais c'est fumé, mais faut la faire. Moi, je me connecte pas ce week-end. Donc, on peut commencer par faire la tête. Ah putain, il a pas voulu me la prendre. J'aurais dû le garder. Pas poser de torche, Niazan, monsieur. Je sais. En fait, tu peux. Tu peux faire en clic shift clic Alex, mais il faut que je l'ai sur moi. Il y a un objet utilisable. L'armure est pas prise en compte. Alors j'ai reçu un message privé qui dit si besoin je peux faire psy pour Alex. Hein? Ah oui, d'accord, je vois. Tu as besoin d'un psy. Comme ça. Peut-être, je sais pas. C'est pas ce psy là. Ça s'appelle Monsieur Magritor. Ok, d'accord. Moi je fais le strombo. Alors je te dis que je peux pas faire mon arme. Je te dis tout de suite. J'aurais pas assez pour faire mon arme. Donc quoi ? Bien sûr que t'as assez. Ah si. Arrête de dire j'aurais pas assez parce qu'il t'en faut que 2 pour faire l'arme et non 6. Ah ouais, tu te calmes ou quoi ?
C'est moins cher là. Elle est où mon arme? Ah oui, faut que j'enlève les enchantes ou. Sors de là toi. Allez, c'est bon, j'ai tout level 2. Ah, oh, je me casse. Calme. Vas-y, reste avec lui, Agnès, tu veux. Je charge. Je suis bioman orange. Bon, bah, voilà, donc ça c'est fait, on aura tout passé aujourd'hui en tier 2, c'est bien. Maintenant, faut qu'on fasse la même pour Oro. Et pour moi. Vous êtes qui, vous, d'ailleurs? Non, parce que je me demande comme ça. Qu'est-ce que vous foutez avec nous? Vous êtes qui? Je sais pas, on n'a pas eu l'occasion d'être présenté. Qui vous êtes? Faites-moi un armure d'inconnu. Et tu vois quand même, le en dessous, ça produit bien. Parce que son énergie, elle n'est pas descendue dans ton capaciteur. Bon, c'est bien. C'est que ça... Par contre, vous n'avez pas de pantalon, monsieur. Ton pantalon Je l'ai oublié dans le... Voilà, excusez-moi. Est-ce qu'il finit de charger? Je le repasse. Mais demande à Niajdan d'enlever son pantalon et pour voir avec son skin, tu vois. Vas-y, enlève ton pantalon. Il est vraiment cul. On sait pas si c'est des poils ou un slip. Vas-y, montre, tourne-toi vers moi. Ouais, c'est ça. Attends, regarde. Oh non. Voilà, j'ai récupéré ma vitesse, nom de Dieu. Hein. Non, tu peux avoir beaucoup plus du coup maintenant. Ouais, mais on va laisser comme ça. Alors déjà, on va rien. Speed sur 1. Attends, comment tu la gères? Comment ça? Comme l'autre. Ah voilà, tu gères exactement pareil. Tu cliques sur l'armure. Jump multiplier, boost while. Voilà. Quand même le vertical accélération. Non mais ça non. Toi, décollage. C'est pour faire des trampolines. Tu peux mettre la night vision. Je l'ai déjà. Et tu peux même voir les notes maintenant sans avoir de casque magique. Ah ouais. Tu actives le... Magicien, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Magical Sense. Alors je vais remettre mes enchantements. Tu la prêtes ton armure? Non. Pourquoi? C'est mon armure. Si elle a fait caca dedans, du coup. Voilà, je fais caca et pipi dedans. Mais c'est pas, on a fait tellement de choses ensemble. C'est personnel. C'est personnel. Rose, t'as de quoi préparer, on t'aide maintenant. J'ai de quoi préparer. Non, j'ai pas de quoi préparer ça. J'ai des cœurs. Mais c'était les cœurs, c'est bon. Je fais beaucoup trop vite maintenant, j'arrive plus à. Comment on dit, c'est Hearts en anglais? Ouais, ça. J'ai deux cœurs. Alors, on va commencer par l'arme. Ouais, faut faire charger les blocs. Inventaire. Donc, je dois avoir quoi? Protection. Non. Protection. Protection. Il nous faut 8 blocs. C'est un soul bound obligatoire. Je vais les faire charger chez moi. J'ai au pire, sinon. Je les ai. Ouais, mais j'ai envie de farmer. J'aime bien farmer. Mets un masque, Alex. Chut. Il reste un truc à crafter, Alex. Looting. Hein respect. Bah, la batterie. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, la batterie. Pourquoi j'en ai trop? Ouais, mais la batterie, il a pas les ressources. Hein. Il a pas du tout les ressources. Non, la batterie, on va la faire, mais pas là. Sharpness. Tu veux pas commencer les premiers trucs? Pourquoi j'ai un smite et un bane of anthropode qui traîne? Qu'est-ce que j'avais foutu ça? Looting 3, sharpness 5, soul bound. Ouais, sur l'arme, mais non, j'ai plus de place sur l'arme, je comprends pas pourquoi. Attends, on va revenir. Alex demande au Tom Craft 2 de te mettre les enchants direct dessus. Ah bah non, je prends les bouquins, oui, je les ai. Il a les bouquins. Ah oui, les bouquins qu'on avait d'avant. En fait, quand tu fais les enchants avec Tom Craft, là, ça quand tu regardes dans ton inventaire, ça donne les bouquins direct. Ouais, il nous a dit Margaret. Alors, Blast Protection, Projectile. Blast Projectile. Donc attends, Protection là, je dois avoir Projectile, ok. Blast. Ok, autre pièce d'armure, protection, ok. Soul Bone, on va le mettre aussi. Hop. Pour chacun. Qui m'a tapé? Protection cal, projectile, protection blast. On va aller, je change. Hop. Je refais mon truc, moi. Protection cal, je l'ai là. Ouais, c'est bon, sa protection, je vais avoir un Soul Bone, projectile. Bane of the Anthropod. J'ai perdu des bouquins, mec. Je comprends pas pourquoi. Ils sont où, mes bouquins, nom de Dieu? Là, j'en ai un là. Ok, je suis d'accord, mais... Je crois que j'en avais fait assez. J'en ai un là. Ok. Qui a fait quoi? Rien. J'en ai un là, mais j'en ai plus qu'un. On se met sur le Draconium. Deux. Pourquoi j'en ai que deux? Et je me retrouve avec un smite et un bane of the anthropod. Pourquoi j'ai ça? Euh...
Ok, donc on a tout ça. On va faire le torse. On va lui mettre ça. Protection 4, blast. Ici, projectile. Ici. Et voilà, c'est la fin du live. Merci, on se retrouve tous. Et. Attends, chini, après je te tape. Non. Si, si, cours. Non. Tu pourras pas. Tu pourras pas. Et j'ai plus de. Si, j'en ai un là, mais j'en aurais pas pour mes bottes. Faudrait que je refasse un soul. C'est bizarre. Protection 4 et j'ai eu un protection en rab. C'est comme si en les sortant, ils avaient été. Modifiés. Ouais, ils ont été modifiés. Hein. Excusez-moi, Nejdan, pouvez-vous sortir de mon corps, s'il vous plaît ? Non. Parce que là, en fait, je vais avoir fait. Là, je suis sur les pieds, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai fait les jambes. Bah ouais, j'ai fait les jambes avec le soul et tout, les pieds. Et la tête. Et la tête. Bah, en fait, sur les pieds, j'ai ouais, des. Ouais. Ah non, j'ai rien sur les pieds, ok, j'étais sur les jambes. Je sais pas, c'est bizarre. Donc là, c'est bon. Il va me rester, j'ai pas de soulevant sur les pieds en fait. Qui permet de. Alors, ça permet notamment, hein, pour ceux qui savent pas, de pouvoir le garder même quand vous mourrez. C'est pratique, tu réapparais avec. Ça peut être intéressant sur le gardien du coup là. Bah oui, smite. Et je sais pas pourquoi je me retrouve avec un smite et un Bane of the Anthropod. De la discothèque. Ouais, bah écoute, ça va aller dedans. J'ai pas un enchant, d'autres livres d'enchant là-dedans. Power, Bane, Sharpness, Power. Non, j'ai rien d'autre. Ok, ça tombe bien. Ok. Faites voir, je teste un truc, hein. Oh putain! Désolé. Je vais mourir. Non. Oui, il y a le feu, toi. Kim TP. L'arme à pique. Ah oui, il y a pique. Hein. Je suis désolé, hein, Nijdan. Je voulais voir non. Si elle tapait. Apparemment, oui. Oh non, non, non. Pas dans cette tenue. Ah, parce que là, il est en tenue la plus... Ah, mais il a juste une faille. Ah bah, j'attends Adam. Il est où, Adam? Adam! Vous allez le voir arriver par là. Je sais pas ce qui s'est passé, Nejdan. Elle tape trop fort. Ah oui. Ils ont 60 d'attaque dommage, oui, ça pique un là, peu. Là, elle lui met pas un coup parce que là, tu lui dis au revoir, sinon. Ah bah là, oui, mais il est tout nu. Il est où il arrive. Ah bah oui, c'est vrai qu'il marche. Ça va, monsieur tout nu? On va faire un tam, 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 tam. Bon, il parle plus, il est fâché. Non, non, non. Il est colère. Il est colère, monsieur tout nu, là. Tout nu. Alors, ce qui est bizarre, ouais. C'est que j'ai plus du tout le... Je peux plus activer ma vision nocturne. Tu l'as déjà sur le casque, donc. Tu l'as déjà sur le casque, alors. Bah, non. Ça, là, tu vois, toutes les salles, je les vois en noir là. Va dans la salle. Non, pas dans la salle, dans le casque. L'interface, Night Vision, faut qu'il y ait marqué trou. Ok. Ah là, ça remarche. Quand je survole. Ouais. Ouais, par contre, le Night Vision de mon. Ça te dérange pas d'être aussi rapide en fait? Moi, ça dépend des moments. Tu rentres dans tous les murs et tout. Ouais, mais ta vie est différente. Oh, le King Slime, il est où? Après, tu peux faire comme ça. Il est où? Attention, le retour de la mobilette, mesdames et messieurs. Quelle idée. On dirait un vieux moustique, hein. Fais pas ça ou je recommence. C'est pas lui qui t'a tapé, c'est moi. C'est pas moi. C'est moi, c'est moi. C'est tout de suite référence au copain, t'es là, fais à l'attaque. Ah non, si c'est toi, ça va alors. Discothèque. Il est grave ce mec. Déjà pour se ramener avec un cochon sur la tronche. Discothèque. Putain, il est vraiment dégueulasse le perso avec l'armure. Attends, je vais essayer. Ah bah voilà, regarde. Bonjour monsieur, je suis venu vers la. Mais non, ça fait secrétaire pervers, c'est dégueulasse. Non, non. Moi j'ai quoi? Je sais même pas qu'est-ce que. Toi t'as le masque rigolo, t'as pas un truc qui te couvre ta face?
J'ai mon masque, j'ai peint. Genre t'as pas le Skyrim hat? Ah non, ça irait, c'est vrai bizarre. Tiens, regarde. C'est quoi? Attends, je vois pas, mets-toi dans le jour. Eh, hey, les gars. Y'a pas de jour. Ça, c'est la clash. Taou, taou. Miam, 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 miam. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. C'est Bane. Bah oui. Il fait pas ça, Bane. Bah si, moi dans mes souvenirs. Et quand même, Bane, il fait... Bah voilà, ça c'est parfait, on voit plus ah, ma bah, face voilà. Comme ça. Salut, c'est moi. C'est flippant quand tu regardes quelqu'un comme ça. Salut, c'est... Là, vu du dessus, ah, vu du dessus, ça fait bizarre. Hein. Welding helmet, ça pourrait être rigolo avec votre truc. Ah, non, eh, ça fait vraiment, ça fait vraiment le mec qui va pisser là, hein, si tu regardes du dessus. Hein. C'est pas mieux comme connerie. Alors regarde, tu lui coupes la face. Ouais, c'est pas mal. Troll, je suis. Bonjour, je suis Myriam. Voici mon mari, Trollolol. Vous allez bien? Bienvenue chez nous, la crypte des vampires. D'ailleurs. Rose. Puisqu'on en parle, j'ai un petit peu faim. Je vais me permettre de vous sucer légèrement, monsieur. Ah. Allez, à table, les enfants. Les vampires, ils se moignent pour bouffer. Putain, ils me font chier, mes vampires, à pas vouloir me ramener du sang, d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi. Ils vont pas le chercher à son spawner à village. Bah non. Non, non. Ils vont le chercher nulle part. Vas-y, ça vous s'appelle comment ton truc, Niachon, là? Hein? Le truc que t'as mis. Welding. Alex, nettoie ton micro. Helmet, c'est le dernier. Ah non, mais... Oh non! Quoi? Je nettoie mon micro, ça va ou quoi? Fox, il s'est muté et tout, je viens de lui vriller un tympan. Ça va, je nettoie mon micro. Calmez-vous. Respectons-nous un petit peu, quoi. Oh, j'en ai marre. Fox, on n'est pas prêt de le revoir. Hein. Tant qu'il voit de la lumière chez moi, il pense que je tape toujours. Voilà. Il va mettre plus d'une minute à revenir, oh, Fox. C'est nickel comme ça. Bon, on va faire la pub et on va revenir juste après, faire commenter. What, c'est joli ça. Casque de soudeur. Ouais, c'est moi qui l'ai trouvé. Ça s'appelle ouais. Welding Helmet. Ah, bah, on verra si je l'ai. Headphone. Et ça, c'est bien comme ça. Ou comme ça, regarde. Ça, ça me va très très Ou alors, bonjour et bienvenue dans le reportage. C'est Bernard de la Clicardière. Vous allez bien? Non, c'est comment l'émission dormir chez J'irai vous là. J'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez Click. Mais c'est bien ça, regarde. T'entends bourrer, le mec. Parlez au micro, monsieur, on vous entend pas. Ça fait très Jackie Michel, en fait. Oui. Je viens. Mesdames et messieurs, bon, on fait la pub, hein. Non, monsieur, bon, bah ça part. Je vais trop vite avec cette armure, je crois qu'il faut quand même que je freine. Parce que ça fait un peu trop vite. Bon, toi, va bosser, là, hein. Sinon, je te tue, Maurice. Oui. Bon, mes vampires ne veulent pas travailler. Mesdames et messieurs, vous quittez pas la dernière pub du live, on se retrouve juste après. On est ensemble jusqu'à 15h en compagnie 15h. De Oro, Nifdan et Oliver. On a perdu Foxine. J'ai tapé sur la bonnette, il a chu. Comme Lustu cru. C'est pas mieux. Pub. Il est 14h28 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h en compagnie de Oro, Nijdan et Oliver Staton. Ils sont les sons beaux chauds. Oui. Allez, bon, on a fait aujourd'hui, on a continué Draconique. Le but étant d'aller faire le boss par la suite, le chaos, Guardian of Chaos. Ça va être assez sympathique. Pour cela, il va nous rester à faire encore les Flux Capacitor. Alors, ça, il y a un peu de farm. Je vais le faire. À un moment donné, dans le week-end. Cependant, il va me falloir pas mal de trucs, de l'or, de la redstone, etc. Donc je me dis qu'à un moment donné, je suis obligé d'y passer. On va commencer, j'ai bien dit commencer, les crafts de la laser drill. Alors, laser drill, je vais poser chez moi, en fait, je pense. T'es chez moi, Oliver? Oui. Tiens, viens voir. On peut peut-être, je vais peut-être refaire cette salle, c'est pas con, ici. Tu sais, je savais pas quoi mettre. Après, à savoir que la laser drill... Je suis déjà vachement bas. Bien. Plus elle est haute, mieux c'est. Plus elle est haute, mieux c'est. Donc il faudra que je la mette. La couche 10, c'était 110 quand même. La couche quoi? Après, c'est plus c'est au mieux c'est ou. Moi, on m'a dit 110, c'est bien. Ah ouais, je suis en 29. Donc il m'aura peut-être limite à la hauteur. Donc il va falloir, je sais pas où je vais la placer de ce fait là. Tu me diras. Bon, c'est pas grave. L'idée, de toute façon, il y a les crafts à faire avant de la placer. Ça, c'est pas gagné. Auro, est-ce que t'aurais moyen de me ramener? Ah, je suis un enculé, ce que je vais faire. Parce qu'en fait, la laser drill en elle-même, c'est pas ce qui va être le plus dur à crafter.
Regardez le craft, c'est pas le plus dur. Donc ça, ça va être du plastique, donc c'est du rubber transformé. Ça, c'est des reception, donc c'est du redstone et de l'or de mémoire. Ouais, c'est ça. Les glowstone illuminator, on n'est pas sur des trucs qui sont ouf. Il n'y a pas de grande complexité. Il nous faudra juste un induction smelter. Ça marche pas dans l'alloy d'ailleurs. Si la Ardennes classe, tu peux la faire que dans le. Non, il faut pas faire Ardennes là. Il faut faire les autres avec du quartz du laser. Le Fusquast, ouais, dans la Smiter. Oui, bon, on va faire un alloy au pire. Ah, mais j'en ai. Ouais, bah ça fera beaucoup moins cher. Donc en fait, la laser drill en elle-même, c'est pas ça qui va coûter cher, c'est le. Comment il s'appelle ? Kingslide. Non, le. Putain, ce que tu mets à côté. Ah, les préchargeurs. Les préchargeurs, il en faut 4. Oui. 4 laser drill préchargeurs. Et donc ça, il va falloir. Mais j'ai de quoi en alimenter une. Il va falloir. Il m'en faut une, hein, les gars, dans l'idée. Ça m'évitera de faire des trous partout. Ça évite pas mal de trucs. Et donc là, ce qui est compliqué dans ce craft là, il est là. C'est le pink slime cristal. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par montrer les pink slime. C'est un peu la merde à trouver, le pink slime. Alors, comment ça se fait déjà pour vous expliquer? Alors, moi j'ai vraiment de la chatte que Oro a déjà fait. Il a créé un. C'est qui? C'est toi qui l'as créé ou c'est Oliver? Non, c'est lui. T'as fini par en faire un et t'as fait la safarinette, quoi. C'est ça. T'as moyen de me l'amener? Pink slime. Ouais, je l'ai. Faudra juste tu la mettes dedans. Ouais, capturer. Regarde, on va faire ça. Hop. Tu vas faire quoi, toi, Alex, là? Alors, en fait, ce qu'on va faire, la bestiole qu'il a là, qui donne du pink slime, est chiante à avoir. On l'a faite. Et donc là, en fait, il l'a mis dans une safari. T'es où, Maurice? J'arrive. Ok. Comment je baisse la vitesse de mon armure, là? Parce qu'elle va trop vite. Franchement. Sur tes jambes. Sur ton pantalon. Jump multiplayer, non. Boost while sprinting, je vais le mettre. Ah bah non. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Non, c'est pas mieux. Hein. Moi je mets 0. Mais attends. Oh, au pantalon, putain, je suis sur les. J'étais pas sur le pantalon. Voilà, speed multiplayer. On va mettre. On va baisser parce que. Voilà, 0 pour l'instant. Et on verra. Ah ouais, non, 0. Non, faut pas déconner non plus. Je veux bien. Speed multiplier. On va mettre 0,50. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, de cette là, on va utiliser les copains. C'est le but d'un serveur. Donc, il va tout simplement, on va mettre la safarinette dans la salle jaune. Je vais virer d'ailleurs le. Dedans, il y avait des blazes. Hop, on va la ranger. Blaze ici. Merci Michel. Donc, Oro est parti le caler. Et là, l'idée, bon, le grinder va commencer à travailler. C'est une safarinette. Et moi, je vais en capturer une. Comme ça, j'aurai ma propre safari de Michel. Voilà, on va attendre un petit peu. Tu la mets en route, la salle? Ah ouais, c'est en route. Alors, sachant, j'espère qu'il y a zéro place dessous, parce que sinon, ça va pas être dessous. Hein. Oui. C'est des slimes qui font un par un. Il n'y a pas de place dessous. Attends, allez, là. Mais si, Michel! Voilà, je l'ai. C'est bon, c'est bon. Il y en a un autre. Tu peux... Bah, les prochains, en fait, vont... Hop là, il va l'enlever. Je te laisse l'enlever. Ouais. Et donc ça, en fait, le grinder va les tuer et va me récupérer de la slime qui va aller directement dans mon ME. Donc ça, on va laisser tourner. Je vais en avoir besoin pour un craft. C'est hyper chiant de base à avoir. Donc là, on va laisser tourner. Merci mon lapin, tu me sauves la vie là. Alors ça, pour faire une laser drill, c'est magique. C'est le but d'un serveur, hein, quand vous êtes entre copains. Ah, le but, c'est de s'aider. Laser drill, ouais, ce que vous avez fait hier, je crois. Donc là, c'est parti. Je laisse mon mob. Je sais pas en trop si je vais faire comme Oro avec les panneaux. J'aime bien mon système de petits leviers là. Je m'en sers pas tout le temps, donc. Donc on va commencer les crafts et après on aura la laser drill à placer. Je sais pas trop où je vais la placer, j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Par contre à distance, je pourrais très bien avec RF d'ici à partir d'ici en fait gérer son on/off. Hein. C'est quoi la portée? Aucune idée. Il faut que les deux soient chargés, je crois. Il y a pas de portée. Parce qu'en gros t'emmènes ta laser drill. Oliver, il y a une portée ou pas? Je sais pas. Toi quand tu vas dans l'end, je découvre RF tout le monde. Salut Musaren, vous allez bien? Salut, ça va? Ça va et toi? Donc vous voyez en fait le pink slime, ça se passera avec du bloc. Et donc là on va trouver des pink slime balls. Normalement on doit en avoir, oui déjà 11, oui. Donc on va le laisser tourner, on va en avoir besoin. Et l'idée c'est de pouvoir faire de la laser drill. Parce que là vous voyez que niveau contenu c'est pas ouf. Et sur la gauche qui est ici, je vais le retravailler, en fait, pour vous expliquer. Je vais créer, en fait, quelque chose dans ma laser drill. Quand ça sortira en minerai, ça ira dans un coffre. Et je vais faire, en fait, que ce coffre soit TP ici, l'intérieur. Vous verrez, on va travailler ça, c'est facile. Soit ici, et ça sera automatiquement traité. Donc, l'intégralité des minerais... Ah, putain, il faudrait que je mette un comparateur.
Si c'est ça, tu vas dans le ME. Si c'est ça, tu le traites. Alors, j'ai plus rapide. Oh non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai plus rapide à le laisser en minerai, en fait. À faire venir le coffre ici. Là, en fait, la tâche facile, c'est de tout faire au Tesseract. Mes Tesseract prennent des items aussi. C'est-à-dire de coller le cul du Tesseract à ma machine. Elle fera à la fois énergie et item. Tu peux l'envoyer direct dans le Tesseract, vu que celui-là est déjà programmé pour recevoir les items. C'est ça. Qu'il en a donc, en gros, ça arrivera dedans dès que j'ai une laser drill. Alors là, de ce fait-là, je les aurai en minerai. Les minerais, je les prends et je les passe directement à le smelter. Non, faut que je les casse, par contre. Ça sera en minerai vierge. Oui. La merde, hein. Est-ce qu'un minerai dans une crafting table, une auto-crafting Tu les passes dans un pulvée avant et après dans la smelter, non? C'est ça, sauf qu'il n'y a pas tout qui passera au pulvée, parce que dans une laser drill, il va récupérer un peu de tout, non? Oui, oui, il faut faire un tri. Oui. Donc en fait, il va falloir que je fasse un système de tri. Mais c'est faisable, hein, c'est pas... Bah, moi, j'ai un item qui peut te trier les trucs, ou alors tu... J'ai le crusher, hein, il prend tout. Ouais, non, mais il y a toujours des minerais qui... Non, mais la redstone, la métite... Le crusher, il prend la métite. Ouais, mais la Firestone, ça m'étonnerait qu'il la prenne. Je pense pas. On va commencer par faire un laser drill déjà. Si. On va. Après, ça, c'est des réglages, vous voyez. Mais alors, laser drill ici. Hop là. Donc, laser drill, il va nous falloir déjà 2 redstone comme ça. 1, 2. Ah, oh, j'ai plus de gold. Putain de merde. Oliver. Oh là là là, gold redstone. Comment ça, t'as plus de gold? J'ai plus de gold. Tu rigoles ou quoi? T'en as 1160 des gold. Ah, c'est de la redstone que j'ai plus. Ah. Alors, attends, je crois savoir où il y a un stock de redstone. Bouge pas. Non mais enfin parce que juste j'avais masse redstone et j'en ai filé en commun et si c'est toujours là-bas il fait jour, je vais cramer, voilà. Je crois qu'il y en a plus dans le coffre. J'en ai mis masse là-dedans en fait. Ouais, ben il y a plus rien. C'est pas qu'un alors. Bah, longtemps, moi j'ai utilisé pour faire les disques. Ouais ouais, non mais j'ai pas dit que c'était grave, mais juste j'en avais laissé d'avance tout ce que j'avais dedans, me disant qu'au pire des cas, j'en aurais cherché ici. Chier la bite. Je crame. Fais jour. Alors je pourrais me TP hein, comme l'abruti. Fais jour. Je crame. Si tu fais un laser drill, mets un panneau. Ne pas passer dans les lasers. Bah non, les gens sont cons. Mais non, mais il m'a pas dit Pika hier. Mais regarde quel enculé. Regarde Oliver, le petit poussé. Suis-moi. Il y a des bonbons à la fin, monsieur Oliver. Oh, dis-moi, sucette. Je vais rien dire. Tu payes le shampoing pour ton anniversaire? Non. Ah, je n'ai piqué une. Ça fait très pervers quand même ça. De quoi le shampoing? Non, la redstone comme ça de ramasser, tu l'emmènes dans un truc bizarre. C'est vrai qu'il vomit, Oliver. Ah, il me gerbe dessus. Non mais c'est bon, hein, ça devrait le faire. Bouffé, hein. Ça devrait le faire, hein, Michel. Que ça soit aussi rouge, d'où l'idée de faire ma laser drill. Hein. Je suis à la bourre sur tout ce qui est technologique comme ça. Je suis à la bourre. 2 diams, ça devrait être bon. Du plastique shit, de mémoire. Je peux juste prendre du rubber, happer le cuir. Ça devrait faire des barres de rubber que je peux retransformer au four en... Si je ne m'abuse. Ça. Tu passes le rubber dans le four, ça fait des barres de rubber, tu le recuis, ça fait du roplastique. Ça te fait des poudres. Oui. Et après tu mets par 4 et ça te fait des plaques. Par contre oui, c'est vrai que mon four, faut que je fasse les... Octadiques. Les octadiques, alors attends, est-ce que je peux les faire en... C'est bien, quand vous parlez maintenant, je comprends à peu près. Octadiques, capacitor, ils sont là. Là j'en ai, double layer, j'en ai pas, on les fera après. En fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire ça? Oui, il m'en faut 4, j'ai dit, je crois. Question, quand je vois là que tu ouvres ton ME, ouais, t'as directement une table sous ton truc, c'est classe. Ouais. Ou c'est moi non, c'est une table de craft. Ouais. Deux, donc il m'en faut bien 2. C'est... Un. Au lieu de faire le ME terminal standard, tu fais le ME crafting. Qu'est-ce qui me manque? Du copper, ah, nice, j'ai merci. Plus de copper. T'es pas sérieux? Et tu vois, on a quelqu'un qui pour du copper. Ah ouais, mais là j'en ai là. On va le faire en mode. J'espère juste qu'il m'en faut pas après. On va le faire en mode troll. Lololololololol. Il y a un monsieur. Ah oui, c'est vrai que bah si, si, j'ai ce qu'il faut. Donc il va. Comment le double? Le double layer. Ce qu'il parle, mais... Ouais, non, mais je vais faire l'octadic, mais au moins le double layer capacitor. En fait, ce que je veux rajouter là, l'octadic c'est pas obligatoire, c'est ce qui permet d'aller le plus vite possible. Mais il faut savoir ah oui, que le. Oh, putain, je sais quoi vous parlez. Pour avoir un octadic, il faut faire un double layer de toute façon. Donc, oh, oui.
Fait chier, un pulvé. Est-ce que j'ai de quoi faire un pulvé? Le mec, en fait, on se rend compte que niveau technologie, il a fait juste le ME électricité, quoi. Pulvé. Un pulvé ou un... Un crusher, tu dis, toi, Musa? Donne deux, en fait. Moi, le crusher, je mets tout dedans. Hein. Fait l'équivalent du pulvé, même plus, quoi. Après, on peut essayer. Si là, ça parlait de la Firestone. Ramener une Firestone. Non, apparemment, ça passe. J'ai regardé, apparemment, ça passe. Le crusher. Il est où, le crusher? Enfin, moi, je parle du crusher d'immersive. Hein. Après, alors, je suis passé à un autre crusher. Il y a un monsieur dans le chat, il dit « J'ai téléchargé quelques mods que vous utilisez, mais je sais pas comment sortir. » Ce matin, il y a des gens, ils m'ont dit « Si tu veux commencer le modder, c'est quoi le mod que vous m'avez dit ce matin, là, le pack, là ?» Agrarian. Agrarian. Agrarian Skies est très bien pour ça. T'as un livre avec des objectifs. Je te trouve pas le crusher. Dark Lord. Si c'est le... D'immersive, le crusher. Hein. Ah, je suis de con, d'immersive. Ah, mais je suis pas foutre un crusher ici. Toi, tu mets tout dans le crusher, Musa? Moi, je fais tout passer, oui. Ça te crée des poudres, et après des poudres, t'es installé. L'autre solution, après, c'est que je lui apprenne à faire. Mais ça, dans le ME, ça va me saouler. Ça veut dire faire du processeur. Donc, lui apprendre à crafter en auto. C'est-à-dire lui dire que ça peut se transformer en ça, qu'il peut se transformer en ça. Parce que là, je me retrouve avec mes deux coppers. Tiens, Nijdan, casse ça, toi. Les deux blocs-là, s'il te plaît. Ça lag. Non, c'est parce que la clé... Parce que quoi? Bah oui, merde. Bah, Musa, tu peux, toi. Non. Putain. Oh, tu veux qu'il casse, mais parce que j'ai une pioche chiante. Pose-moi. T'as quoi? T'as Silt Touch? Ouais, ouais. Ça change rien? C'est des minerais de copper? Oui. Ça se fait cuire. Elle est dure, ma vie, aux gens, en ce moment. Elle est vraiment dure, ma vie. Hop, duroplastique, ok. Mais pourquoi je cherche comme un gogol depuis tout à l'heure à faire cuire mon copper? Ça va vous? Super, je suis crevé. Bonjour, ça va la forme? Tu peux faire des octadiques, hein, parce que c'est le mien que j'avais mis dedans. De quoi? Tu le reverras jamais, t'es au courant. J'allais dire, dis pas faire des octadiques parce que c'était les miens que j'avais mis dedans. Ouais, je vais les faire après, parce que je vais continuer le laser. J'en avais des capacités. Je vais les refaire, les octadiques. Donc ça c'est fait. L'europlastique, il est là. Hop, on va en mettre un peu d'avance. Hop. Quelqu'un ici comprend ce qu'ils font? Non. Là, on... Même nous, hein. On fait du pâté. Les fuse quartz. Il me faut du never quartz. L'autre, il en avait tellement marre de me voir galérer qu'il est parti chercher ses octadics. C'est en mode, j'ai rien à foutre. Hop là. Moi, j'ai des doubles à la maison. J'en ai fait entre autres. Si t'as des octadics, je veux bien. Hein. Non. Des doubles. Double. Ah, bah, même des doubles, je prends, moi. Je pense que j'en ai. J'ai dû en faire pour l'armure, là. C'est quoi ton armure d'ailleurs? C'est la Dark. Ah oui. Non, c'est Terminator. Il y a un monsieur qui demande, vous pensez quel launcher pour Agrarian Skies? FTB. FTB ou Pure? FTB. Moi je préfère FTB. J'aime bien la façon. Pure, ça a été refait. Tout refait, tout beau. Ouais, je pense que je vais me lancer sur. Mais pour les jeux, c'est beaucoup mieux. Oui. Oh non, j'avais oublié ce craft. À chaque fois qu'il regarde un craft, il a... Mais non, c'est pour ça que j'aime la magie. J'ai pas envie de faire des glowstone illuminator. Ouais, ça va, c'est pas le plus chiant. Bah non, faut faire des illuminator frame avec du signalium. Faire du signalium. Il va te falloir deux machines en plus. Bah ouais. Il va me falloir un magma crucible. Un flux de transposeur. Les machines, je les ai. Même nous, on en a, ouais. Mais non, mais comme j'ai fait. En fait, le truc, c'est que vu que comment ça s'appelle? J'ai fait beaucoup de magie. En fait, à part le ME là, et électricité et machin, à chaque fois, je craftais ce dont j'avais besoin. Et dans la magie, dans les modes magiques, en fait, t'as souvent tes propres compos du mode magique. Donc, il est là le truc. Ouais. En fait, de ce fait-là, t'es plus dans des compos de potions, de baguettes, etc. Tu travailles beaucoup moins avec un peu avec l'or, mais c'est tout.
Donc en fait, t'es pas dépendant de ce genre de machine. Est-ce que je fais un magma et un flux transposer ou est-ce que tu vas me les faire? Non, mais si tu veux faire du signalium, tu peux faire avec l'alloy smelter, tu mets du copper, du silver et de la redstone. Ouais. Oui, non, mais c'est pas. C'est pour le. Enfin, le magma crucible et le flux transposer, c'est pour les remplir de. C'est pour les remplir de quartz illuminati. Ouais. Bah, je veux bien, si tu peux m'en faire deux. Non, mais je te prête les miens. Si t'as, non, mais si t'as deux glowstone illuminator, moi ça me va. Hein. Ah oui. Ok, on va commencer le préchargeur, comme ça on aura tout fait pour le préchargeur. C'est bien le préchargeur, celui-là. Ok, il va en falloir deux comme ça. Et j'ai plus d'or. T'es sérieux? Il est où mon gold? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais j'en ai 1000. T'en avais 1600. Bah ouais. Là. Tu fouches mon gueule. À l'électrum? Pourquoi à l'électrum? Pas de l'or en fait. Ah, c'est du conducton coil. C'est pas les mêmes. Donc là, c'est bien à l'électrum. J'avais oublié à quel point l'électrum, on va faire silver et gold. Silver, gold dans l'alloy, normalement, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, sûrement. Sauf que silver, hein. J'en c'est ai plus. C'est écrit dans la recette. Bon, on va aller en mine, hein. Moi je te le dis tout de suite, hein, ça va me saouler. Comme moi j'ai quasiment peu fait de mine, j'en ai fait un peu, mais pas autant que les autres. Je suis à la bourre, surtout. Et t'en faut 4 des illuminators, des illuminators. Deux, deux et trois. Il m'en faut trois en tout. Pour t'en as déjà ? Non, il m'en faut trois en tout. Un pour... Ah non, il m'en faut plus que quatre, pardon. Deux pour la laser drill et quatre fois un, quatre. Quatre et quatre, huit. Il m'en faut huit. Il va m'en falloir huit. Huit diamants, les fuse quartz, on en a normalement assez. Les plastic sheet aussi. Hop là. Les glows ça arrive, il va me rester en fait à faire de l'électrum et qu'est-ce que j'ai dit juste avant, de l'électrum et non ça tu l'as fait, ok, les illuminateurs, donc il va me rester que de l'électrum à faire, il va me falloir deux lingots d'électrum, donc pour de l'électrum on va hop aller ici. Ok, dans un induction smelter, mettre gold et silver. Ok, là tu vas voir du silver. La bite, j'en ai plus beaucoup. J'en ai un. Putain, ça va me permettre de rien faire. Du gold. Du gold, j'en ai encore. Il va vraiment falloir m'amuser. Au pire, on fera un crusher. Je pense que si le crusher fonctionne, je vais arrêter de me faire chier. Ça fonctionne pas. Si, c'est bon. Ça fonctionne. Par contre, j'en ai qu'un. Quelqu'un a un putain de. Le silver en barre? Oui. Une barre de silver, ça m'irait. Ouais, je t'amène ça. C'est gentil, mais c'est pour ça que je vais faire une laser drill, parce que sinon... Qu'est-ce que c'est qu'une une query? Bah non, mais enfin, en fait, clairement, les gars, là, vu que là où j'en suis, il vaut mieux faire une laser drill qu'une query. La query, en fait, la différence... Je crois qu'il demande ce que c'est qu'une... Une query, c'est une machine, tu vas la poser, elle va te miner tout. C'est-à-dire qu'elle va prendre la couche de terre en dessous d'elle, la couche de terre, la couche de machin, et elle va prendre comme ça sur un chunk. Elle va descendre jusqu'en bas, elle va tout te stocker, elle va te le donner. Donc tu récupères aussi toute la merde. La laser drill va, en fait, c'est du faux minage. C'est-à-dire que le laser va descendre jusqu'à la bedrock et on va simuler, c'est une simulation comme s'il y avait un peu comme avec la récolteuse de Musa dans Immersive Engineering. Il va simuler ce qu'il y a dedans. Et donc, il va te donner de l'or, de l'argent, du fer, du copper, du blé, de... voilà. Merci, Michel. Ouais, moi aussi. Et en plus, j'avais ce qu'il fallait. Je peux faire deux électrums avec un seul. Je ne me rappelle plus que c'était un ratio de deux. Voilà, mais merci. Deux électrums. Donc, on va faire ça, ça, ça. Un, deux. Ok, on devrait être bon pour les crafts. Laser drill, hop. Une laser drill, c'est fait. Et on va faire quatre préchargeurs. Ah bah non, j'avais pas assez. Non, j'avais pas assez parce que... Il m'en faut un peu plus que ça. Si c'est 4 préchargeurs, dans l'idée, il va me refaloir silver. Hop, et gold. 1, 2, 3, 4. Et normalement, gold. Alors, je sais pas trop où je vais la placer. On aura peut-être pas le temps de la placer aujourd'hui, vu l'heure. Je la placerai moi cet après-midi, sûrement. Je sais pas trop comment je vais faire. Avant, de toute façon, je pense que je vais faire le système avec Musa du crusher qu'on va relier au ME. Donc, l'idée, c'est que ça soit relié au ME. Hein. Quand ta laser drill tourne, s'il faut qu'après, t'ailles chercher un coffre pour prendre tout ce qu'il y a dedans et que t'ailles à ta ME, mais c'est pas très compliqué. Hein. N'importe bus et on n'en parle plus. Hein.
Mais j'aimerais qu'avant l'import-bus, ça soit trié. Donc ici, j'aimerais transformer ça en un truc qui va cuire, préparer, etc. Donc si ça peut être un crusher suivi d'un hall smelter et des capaciteurs dedans. Enfin, tu vois, et des... Merde, tu m'as compris. C'est, l'idée, c'est qu'à gauche, là, on voit au pire un four ou un machin, et puis tout se passe derrière, et après, ça finit ici. Hop là, on va le câbler là, OME, et ça rentre dedans, quoi. Sinon, tu t'en sors pas. Et de ce fait, là, t'as laser drill, tu peux la laisser à vie au même endroit, en fait. Oui. Ouais, c'est pas un souci, ça. Donc faut... Ouais, c'est des portes. C'est des portes cachées, en fait, ça. Attends, c'est les, ce qu'on appelle des Carpenter's Block. Des Carpenter's Door. Hop. Tac, on va essayer au moins quoi, de faire les 4. C'est quoi ça? De quoi? Le ME, c'est Security Terminal. On a pas ça, nous. Ça permet que personne. En fait, tu peux pas accéder à mon ME. Ah ouais, ok. Tu peux voir dedans, mais tu peux rien faire. Il va me manquer quoi? Oula. Ah bah oui, les pink. Les pink, les pink. Faut que je cuise des blocs de pink. Si j'oublie mes blocs de pink. Alors, hop. Donc ça, c'est assez easy depuis qu'Oro m'a tout donné, là. Tac, 22 blocs, on est parti, on va les cuire. Hop. Hop. La pink, ça sert qu'à ça, en fait. Oui, ça sert qu'à ça. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'autres crafts, je crois. Ok, ok. C'est du chinois quand on connaît pas. C'est pour ça que n'hésitez pas, Agrarian Sky, c'est super pour apprendre le modé. Vous avez des quêtes en fait. Donc vous apprenez mode après mode ce que vous pouvez faire avec, etc. C'est vraiment sympa, Agrarian Sky. Il est en anglais par contre, mais. Ouais. C'est pour ça que est-ce que j'ai un Tesseract en rab? Oui. Ce qui est bien en fait, c'est de pouvoir faire. Ce qui est bien avec les Tesseract, je trouve bien, c'est que je vais juste pouvoir lui foutre au cul, ça fera énergie et item. Et ça, c'est vraiment fumé. En fait, je la pose dessus. Tu le poses dessus, ça fera les deux. Donc tout ce que la laser drill va miner. Donc elle va prendre son énergie du Tesseract, donc ce qui vient de cette énergie qui est ici, qui est stockée là, parce que il y est raccordé. Ça va lui aller 20 000... il est à combien? Il produit plus ou quoi? Ah, il est plein. Ouais, de ce fait là je vois plus ce qui... 20 000 RF particles, ça devrait lui aller. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ici? Voilà, du Pink Slime comme ça. Ouais, si on a regardé, c'était 20 000, ça consommait 5 000 par préchargeur. Hein. Je pensais que c'était 80 000, mais il me semble que c'était 80 000 avant, ouais. Ouais, on a regardé ça avec Olivier. Bon, on va arriver en fin de live, vous retrouverez Ken à 15h. Hop, on va juste finir les préchargeurs, ça sera fait. J'en ai fait 0, 1. J'en peux faire qu'un, qu'est-ce qui me manque en bas? Qu'est-ce qui va me manquer? Des redstone, conducton, coil, je les ai pas fait. 3, 4, 5, 6. Non, ça devrait être bon avec 6. Vous voyez, même un abruti comme moi peut. 2, 3 et 4. Alors là, vous vous dites, en 25 minutes, il a fait une laser drill complète. Alors sachez une chose, je répète parce que c'est hyper important. De un, il me manquait beaucoup de ressources et Oliver est allé chez lui m'en donner, sachant qu'il a pas mal d'avance sur beaucoup de ressources. Ça, c'est la première chose. La deuxième, Oro m'a offert quelque chose qui est assez dingue parce que c'est très long à farmer. Oro a mis... C'est pas très, très long, c'est beaucoup moins long qu'avant. Ouais, mais c'est chiant quand même. Ouais. C'est ces petits bouboules là, voilà, que je vais couper d'ailleurs au passage. Donc la laser drill prend un peu plus de temps. Après, j'avais déjà un peu d'avance aussi en compo, et pourtant vous voyez qu'en ayant passé beaucoup de compos dans d'autres créations, ça va assez vite. C'est souvent ça, de toute façon, en plein milieu, pour n'importe qui dans son mode, d'un coup tu fais putain, j'ai plus de ça, quelqu'un pourrait me dépanner, machin bidule. Mais la laser drill est vraiment importante, donc on va aller la poser avant de faire le dépôt de la laser drill. Je pense qu'on va de toute façon, alors putain, Oliver, je suis en train de réfléchir à un truc. Oui, en fait, le Tesseract, oui. Il ne pourra pas passer. Parce que si je veux les traiter, tous les minerais, et les passer au crusher. Ouais, oui. Mais la redstone ne va pas passer au crusher. Bah si. Ok, tout va passer au crusher. Je suis en train de réfléchir, en fait. Parce que si je veux les envoyer au crusher, si je les envoie dans le Tesseract, c'est pas bon. Bah, tu les envoies depuis ton apply. Ouais, ça veut dire faire du... Ça fait beaucoup de choses à mettre dans le comparateur, enfin pas dans le comparateur, dans l'export. Ah, les exports, ouais. Bah oh, putain, dur. On va faire ça. Ouais, tu et puis après... non, mais c'est pas con. Ça vient directement dans l'EME, et dans l'EME, je lui dis que si c'est en bloc, plutôt que de faire une... tu sais, un cerveau, plutôt que de faire lui apprendre à dire ça, tu peux le transformer comme ci ou comme ça, autant lui dire si ça arrive en bloc, ça repart dans le crusher termine, et après là, tu remets un import, comme ça, ça revient directement dedans. C'est pas con. Comme ça au moins je peux travailler côté Tesseract, c'est bien. Ok, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Fox. Ah bah Fox est de retour, coucou. Oui, je suis là. Oui, Fox. Oui. La dernière fois que tu t'es mute parce que je faisais ça. Pardon. Oh,
Merci Musaren. Oui. Merci à vous, merci Oro, merci Nejdan, merci Oliver. On se retrouve lundi prochain avec pour but de continuer Draconique. Vous verrez, ça va évoluer. J'aurais mis ma laser drill, j'aurais fait pas mal de choses. Tout ça. J'espère que vous passerez une bonne après-midi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au revoir. À bientôt. Bon week-end. Bonne fête du 1er avril. Et vous aussi, faites-vous avoir par tout le monde qui fait des blagues. Oh là là. Très rigolo. Oh, les grosses blagues de tout le monde. Oh là là. Arrêtez les blagues, bordel de merde, parce que vous nous faites chier. C'est de la merde.